Thank you.
Et bonjour les beautés en herbe! Comment ça va? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Moi je suis de très bonne humeur. Ah là là, le titre! Le titre avec des fautes. Je suis sûr qu'il y a des fautes dans le titre. Ça serait trop étrange s'il n'y avait pas de fautes dans le titre. Eh bah oui, hein. J'ai regardé pourtant l'orthographe sur internet, mais j'ai pas trop traîné parce que j'avais pas envie de me faire spoil sur la suite de Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. Du coup, bah, on verra bien. Au pire, on corrigera le titre après. Son image décalée, comme toutes les semaines. Remarquez, non, la semaine dernière, il n'y avait pas de décalage son image. C'est surprenant. Alors, réglage. De toute façon, on va remettre les réglages habituels. Parce que c'est bizarre que la semaine dernière, on ait dû enlever les réglages en fait. Petit réglage, synchronisation comme toutes les semaines. D'ailleurs, ils ont fait des travaux au niveau de l'électricité. Est-ce qu'il y a un rapport avec le décalage son image? J'en sais rien. Ça m'étonnerait, mais bon. Il faut que j'aille dans Twitch hein, pour regarder le décalage son image. Hein. Oh, faut accepter les cookies. Le nombre de fois j'aurais accepté les cookies de Twitch, bah dis donc. Ah, faut mettre le son. Attendez, je m'éloigne du micro, sinon vous allez avoir du Larsen. Oh bidi, oui. Ah mais le son il arrive vachement tôt aujourd'hui, hein. Et pourtant, il n'y a rien d'allumé dans mon ordinateur et je viens de le redémarrer, n'est-ce pas merveilleux? Alors, bah écoutez, on va essayer de ça. Ça fait beaucoup là. Oh, 300, non. Ah, la joie du stream en direct, ça marche jamais ces histoires-là de stream en direct, hein. Quarante-neuf de moyenne, bienvenue, bienvenue. Oula, c'est presque bon. Donc, si j'ai bien capté. Oula, c'est pas évident, hein. Il faudra encore régler un tout petit peu. Ouais, c'est mieux, mais il y a un truc qui me dérange là. Le son arrive encore un zikette. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Un tout petit peu en avance. 350 millisecondes de décalage. Genre frappé dans les mains. Oui, oh. Je vais essayer 400. Après, les gens vont trop prendre plaisir à m'enregistrer et à détourner ce que je fais. Donc. Comme au cinéma, oui, je vais acheter un clap de cinéma, tiens. Clap! Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Allez, on vérifie. Dis donc, j'ai 450 millisecondes de décalage entre le son et l'image aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où ça marchera, hein. Du premier coup, hein, on sera content. Bon, on va papoter un petit peu avant de démarrer le jeu, parce que vous le savez, ce genre de jeu, hein, si on y joue pendant 3 heures d'affilée, après on a une tête comme une bouilleuse. Oui, vous aurez remarqué, j'ai ressorti un casque-casque. Comme j'ai changé mes boucles d'oreilles et tout, je me suis dit on peut reprendre un bon casque. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, là, là, là? On dirait qu'il y a encore un film qui n'a pas été enlevé. Le fameux film de la protection, bah ouais. Ah, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce casque? Alors!
Oh bah Anabeka, il y a eu du grave, du moins grave, hein. Mais faut faire avec, c'est les aléas de la vie, hein. Et vous, qu'est-ce que vous racontez de beau? C'est la fin des vacances. Ah, la phrase qui va faire partir la moitié des spectateurs. C'est bientôt la fin des vacances, vous allez retourner à l'école. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et pourquoi suis-je pas centré sur cette webcam? Oh là là, vivement la maison, vivement. On a vu des belles maisons pas chères encore. Eh, vous voulez que je vous montre les maisons pas chères? Tiens, j'ai envie. Les belles maisons pas trop chères du Nord. En fait, bon, elles m'intéressent pas. Parce que, voilà, toujours pareil, hein. Moi, je sens que je vais être très compliqué, mais on m'a dit en même temps, on m'a donné des conseils, on m'a dit que voilà, il fallait en visiter beaucoup et attendre le coup de cœur. Bon, moi, le coup de cœur va être difficile à avoir, mais c'est vrai que j'ai pas envie de me lancer comme ça, tête baissée, hein. Mais il y a encore des bonnes offres, hein. Attendez, je vais essayer de même partager. Attends, on va peut-être pouvoir partager le navigateur, mais si je partage le navigateur, j'ai peur que ça soit compliqué après pour partager le jeu. Bon, déjà, on va faire donc. Voilà, ça. Ah, ça a fonctionné pour ton logement actuel. Tu vis seul, Sylvidre? Ou pas? Je vais aller dans, je sais pas, karaoké par exemple. Ah! Je clique sur karaoké, ça marche direct. Par contre, on n'est pas en plein écran là, karaoké. Donc on va essayer de faire ça. Oh là là, c'est merveilleux, hein. On va aller sur le bon coup. Tout accepté. Ok, donc en fait, il faut que toi tu aies le coup de cœur, mais il faut que ton compagnon ait le coup de cœur aussi. C'est ça qui est difficile parfois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la publicité. Ça y est, on est sur Twitch, on nous met de la pub pour des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le bon coin, c'est devenu très compliqué, hein. Donc, il faut cliquer là-dessus. Quand on est là-dessus, il faut attendre que ça charge, parce que sinon, ça n'affiche pas toutes les options. Comme vous pouvez le constater, c'est long à charger. Alors, on va mettre. Voilà, Valenciennes. Dans un rayon, on va mettre 10, même 15 km. Ah oui, alors ça c'est pareil. Le bon coin, on peut pas mettre 15 km. Moi ça me chagrine. Donc à chaque fois, je suis obligé de mettre 20 km. C'est trop 20 km, mais 15 c'est bien. Alors maison, bien sûr. Faut mettre prix croissant. Et c'est tout, hein. Allez, c'est parti pour une petite revue des maisons du moment dans le Valenciennois qui ne sont pas très chères. Ah oui, voilà, non, non, mais il faut mettre parce que après il y a des personnes qui vont vendre. Quoique, non, 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 c'est bon, hein, parce que là j'allais dire 1 euro, bon. 28 000 euros une maison de pièces. Bon, celle-là je l'ai déjà vue, c'est tout petit, hein. Dépendance à rénover, maison de 60 mètres carrés sur Solesmes. 32 000 euros. Eh bé. Voyez, il n'y a que trois photos, hein. Puis Solesmes, ça m'intéresse pas, c'est un peu la campagne là-bas. Mais quand même. Je vais baisser le son dans mes oreilles, moi. Vous avez de la musique de fond, vous? Oui, ça devrait être suffisant. C'est pas très cher, ça, quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du descriptif? Maison avec travaux situés sur Solesmes. Toit et charpente en bon état. Bon, bah, il y a des travaux à faire, mais c'est du revolving, quoi. C'est pas des travaux urgents, visiblement. Ouais, le toit, il est. La toiture, elle a l'air bien, hein. Alors, on voit qu'elle est bien droite. Vous voyez, par exemple, à côté, le voisin, la toiture est légèrement incurvée. Là, la toiture est bien droite. La toiture, elle est presque neuve. Ah, qui veut habiter à Solesmes, là? Je vous partage un bon plan, là. Ah oui, je sais, la toiture, ça coûte cher, mais là, c'est marqué que la toiture est en bon état. Le tout à l'égout et à prévoir. Ah! Ceci explique cela.
Les diagnostics réalisés, il est possible de faire un agrandissement de plus ou moins 25 mètres carrés dans les dépendances collées à la maison. La maison comprend une cuisine, une grande pièce, deux chambres, une salle de bain, un grenier. Plus de photos sur demande. J'aurais dû mettre plus de photos, hein. Bon, après, moi, j'ai pas envie d'habiter Solesmes. Hein. Voilà, c'est pas... Mais, il y a de quoi faire quelque chose, parce qu'il y a peut-être même moyen d'agrandir là derrière, faire une véranda ou ce genre de choses. Bon, ça vaut toujours autant le coup, hein, dans le coin. Bon, alors, maison à Denain, bon, Denain. Denain, c'est une ville vraiment pas chère. Si vous voulez habiter et que vous avez pas beaucoup de moyens... Il y a beaucoup de petites maisons pas chères à Denain. Elles sont pas pourries, hein, mais c'est la ville qui est un peu spéciale. Moi, j'aime bien Denain, mais Monsieur Bottenherbe, il aime pas. Denain, c'est une ville très pauvre. Mais du coup, il y a des bons plans. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de photos non plus. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des particuliers qui mettent en vente. Et puis, du coup, eh ben, après... Ils ont pas, ils payent pas en fait pour mettre plus de photos parce qu'il faut payer à partir de 3 photos. Petite maison louée, bon, on va avancer hein, parce que c'est pas celle-là que je voulais vous montrer moi. Maison en viager, c'est un viager occupé ou non occupé? Alors ça, attention. Hein. C'est un semi-plein pied. Le bien est à vendre en viager. La valeur du bien est environ 180 000 euros. Il y a une somme de 30 000 euros à verser à l'acte. Oui, bah merci. Ah, c'est un viager occupé à 1000, combien c'est ça? 1111 euros par mois. 85 ans. Et c'est une dame, d'accord. Ah, celui qui a de l'argent à investir, ça peut être un bon plan. Mais la ville, elle est spéciale parce que c'est de l'extrême pauvreté qu'il y a là-bas, hein, à Denain. C'est une ville très pauvre. Moi, quand j'ai acheté ma voiture, on avait fait le tour des concessions automobiles et je suis allé à Denain pour voir ce qu'ils avaient comme voiture. Il y avait des voitures à un prix intéressant, mais qui me plaisaient pas parce que moi, je suis difficile et j'aime bien prendre mon temps. Et le vendeur nous avait dit à l'époque, vous savez, nous ici, on a des prix plus bas qu'ailleurs et on nous autorise à faire des prix plus bas qu'ailleurs parce que sinon, on vendrait rien. Ah bah, je sais pas, c'est dû à quoi? Ça, c'est une bonne question. Ça a toujours été, hein. Alors c'est en train de s'améliorer quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait des bidonvilles en France, la puta, mais il n'y a pas que dans les bidonvilles qu'il y a de la pauvreté, hein. Quelle drôle de réflexion. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de maisons à 30 000 euros, quoi. Bon là c'est pareil, on a que 3 photos. On va continuer, hein, on va avancer. Condé sur l'Escaut. Oui. Avesnes-les-Aubers, Condé, Douchy-les-Mines, ça c'est à côté de Denain. C'est en viager, c'est bien ce qui me semblait, ça paraissait trop beau pour être vrai. Oh, le Quesnoy, j'aime beaucoup comme ville, mais c'est un peu la campagne. Enfin, c'est la campagne, oui, mais là c'est la campagne un peu plus éloignée. Hein. Disons que pour moi, ça m'irait très bien pour Monsieur Bottenherbe trouver du boulot du côté du Quesnoy, là, ah, parce que là, pareil. Hein. Je suis sûr que ça sent le bon plan, ça. Mètres carrés. Hein. Oh là, oui, non, là, il y a des problèmes d'infiltration d'eau, là, dans cette maison. Tiens, on voit la personne dans le miroir, là. Coucou, toi qui prends des photos avec ton appareil, avec ton téléphone. Combien ils vendent ça? Allez, je vais faire... ouais, 42 800. Elle peut baisser de 5000, celle-là, vu l'état du plafond. Oui, après, ça part dans l'essence. Je pense que ça dépend son style de vie. Moi, je travaille de chez moi, donc l'essence, j'en utilise pas énormément. Le truc, c'est que, justement, moi, il faut que je travaille... Enfin, moi, je travaille de chez moi, donc ça me va. Mais Monsieur Bottenherbe, ça lui va pas. L'Ourche, je l'ai vu, cette maison-là. J'aime bien l'arche comme ça, dans cette maison. Moi, j'aime bien les maisons avec des arches, comme ça. Donc là, c'est pareil, je suis pas sûr qu'il y ait un jardin, en fait, dans cette maison. Et c'est une maison qui est en vente depuis longtemps, mais depuis longtemps, depuis longtemps. Et ce qui est un petit peu chiant, c'est que là, oui, il y a un escalier de fou, là, pour aller je sais pas où. Bon.
Celle-là, c'est pareil, hein. Ils ont dû la baisser pour qu'elle remonte comme ça dans les résultats. 43 000, je crois qu'elle a baissé. Bon, alors, on a encore deux nains. Vous voulez voir des maisons sur deux nains? Celle-là, je l'ai déjà vue, effectivement. Franchement, l'intérieur, il est presque nickel. On voit que ça a été refait. À 40 000 euros, vous avez une maison. Mais alors, je crois qu'il n'y a pas de jardin. Et puis, c'est à deux nains. Ah, puis c'est à deux nains. Il y a deux chambres, aucun frais à prévoir. Et il y a déjà un locataire dedans, mais enfin j'ai envie de dire ça. Hein. NAEPF, ah bah c'est le Nord. C'est le Nord. Celle-là c'est celle que j'ai visitée si vous vous souvenez bien la semaine dernière. Là. 900 mètres carrés de terrain, 44 000 euros la maison. Elle a été baissée à 39 000. Mais il y avait un mur quand même qui était bien amoché hein, dans cette maison. Mais la toiture était bonne. Et après, du coup, eh bien, comme je me suis renseigné sur les fissures qu'il y a dans les murs, maintenant j'ai plein de vidéos, grâce au grand data, j'ai plein de vidéos de réparation de murs qui me sont suggérées pour bien me faire regretter de ne pas avoir choisi cette maison-là parce que visiblement, il y a des méthodes pour réparer des murs qui se fissurent maintenant. Bah c'est pas que je l'ai pas eu, c'est que j'ai refusé parce qu'il y avait quand même un mur. Bah là c'est pas trop des bêtes paumées non plus. Hein. Alors 44 000 euros à Viesli, je sais pas où c'est. Écopon. Ah c'est bien Écopon. Ah elle est petite la maison là, 44 mètres carrés. Hein. Il y a un drôle de grenier. Elle est petite, mais franchement, elle a pas l'air pourrie. Hein. Alors, on continue, parce que c'est toujours pas ça, moi, que je voulais vous montrer. Mais comme ça, en même temps, on passe en revue les maisons. Ah, celle-là, elle est bien. Saint-Amand-les-Eaux. D'ailleurs, ça me fait rire, parce qu'il y a un sol jaune. Moi, je connais le damier blanc et noir, mais jaune et noir, je connais pas. On voit jamais les jardins en photo, alors des fois c'est qu'il n'y a pas de jardin. Hein. Mais j'aime bien moi, alors moi attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oh, il y a beaucoup de travaux à faire !» Non mais nous, les lambris au mur, le sol comme ça, alors des fois même c'est en marbre, pas toujours, mais moi chez ma grand-mère c'était du marbre. En damier comme ça, nous c'est tout ce qu'on kiffe. Hein. Nous c'est tout ce qu'on aime, les trucs vieux comme ça, à l'ancienne. Comme ça, tu mets du clear sur le marbre et ça brille bien et c'est merveilleux. Donc, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, et je me suis rendu compte quand j'ai visité des maisons, il y a des agents immobiliers qui te disent qu'il y a beaucoup de travaux à faire parce que pour eux, eh ben, il faut refaire la déco de fond en comble, c'est-à-dire enlever les lambris qu'il y a au mur, c'est-à-dire refaire complètement le carrelage. C'est... Mais moi, j'aime bien les carrelages anciens, du moment qu'ils ne soient pas abîmés ou pas trop abîmés, moi, ça ne me dérange pas, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux fois la même maison. Alors, elles doivent être vraiment dans le même quartier. Hein. Maison 3 pièces, 23 mètres carrés, 27 mètres carrés. Dis donc. Là, il n'y a même pas de photo. 23 mètres carrés, 3 pièces. Je me demande la taille des pièces. Hein. Ça fait moins de 10 mètres carrés la pièce. Bon, on avance un petit peu quand même. Bah, ça, on a une maison à Valenciennes, dis donc. Il y a quand même des gens qui désertent un peu Valenciennes. Vous voyez là par exemple, il y a du carrelage, comme j'aime bien, damier blanc et noir, mais il est complètement foutu là le carrelage. La toiture, alors ça c'est tout ce qu'il faut pas acheter. Hein. La toiture elle est en amiante, le sol il est défoncé. On voit même là, il y avait une genre de cheminée où mais c'est laissé à l'abandon. Tout ce qu'il faut pas acheter, parce que souvent, quand l'intérieur est comme ça, l'extérieur, il est pas mieux. Bon, on continue, hein. Alors, deux nains, le retour. 38 mètres carrés, bah dis donc, c'est petit, ça.
Allez, on avance, hein, parce que si on regarde toutes les maisons à ce prix-là, vous n'avez pas fini, hein. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était les pépites. Tiens, celle-là, elle a baissé. Oh là, oui. Là, le carrelage, j'aime beaucoup, mais faudrait voir avec du décapant spécial si on peut avoir, parce qu'il est un peu taché, mais j'aime bien le carrelage comme ça. Là, il y a le faux plafond. On se demande pourquoi ils ont mis un faux plafond, parce qu'au-dessus, c'est des barres de bois, là, c'est peut-être pas moche. Ils aimaient bien tout ce qui est géographique. Géographique, géométrique, hein, dans cette maison. Cinquante mille euros. Très proche de l'étang de Chabot-Latour. Bon, à tous les coups, il n'y a pas de jardin, hein. Souvent, ces maisons-là, il n'y a pas de jardin. Ça explique le prix. Allez, on avance. On va jamais s'en sortir, hein. Vu le nombre de maisons qu'il y a, je pensais pas qu'il y en avait autant. Franchement, je vais mettre les codes postales, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir, hein. Allez, hein. Ah, ça y est, le bon coin. Ça, c'est parce que mes ongles accrochent. On va y arriver, vous pensez? Est-ce qu'il m'a laissé par prix croissant? Voilà, ça, voilà, là, ça devient intéressant. Alors, il y a toujours la maison à Johnny Hallyday, hein. Celle-là, elle est toujours pas vendue, hein. On a été la voir, alors on l'a pas visité l'intérieur. Il n'y a pas tant de travaux que ça à faire, l'Yamapi, justement, hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois vous parlez de travaux, travaux, travaux. Si pour vous la décoration d'intérieur c'est des travaux à faire, on n'a pas la même notion de travaux. Parce que de la déco d'intérieur, à partir du moment où la maison est saine, vous pouvez la faire au fur et à mesure. Et de toute façon, la décoration d'intérieur, ça change suivant les modes. Exemple tout con, à un moment c'était la mode des cuisines rouges. Mais vraiment rouges vives. Maintenant c'est devenu d'un ragard les cuisines rouges. Et bah du coup les gens changent tous leur cuisine rouge pour mettre une autre cuisine. Alors maintenant ils mettent du noir laqué alors que c'est hyper salissant dans les cuisines. Donc je veux dire, la déco c'est pas des travaux. C'est quoi au plafond du salon? C'est parce qu'ils avaient mis des plaques de polystyrène parce que ça aussi à un moment c'était la mode. La plaque de polystyrène au plafond comme ça, vous voyez, c'est du polystyrène en plaque. À un moment c'était trop la mode, genre pour décorer le plafond. Et après ben comme c'était plus la mode. Bah les gens maintenant ils galèrent à les enlever, c'est des traces de colle de plaques de polystyrène. Sachant qu'ils ont enlevé les plaques de polystyrène à mon avis pour montrer que les plafonds sont sains. Ah bah dans le nord, toutes les maisons qu'on visite, il y a de la plaque de polystyrène au plafond, c'est chiant. Là on voit aussi, hein, ils ont mis de la plaque de polystyrène et les ont enlevés parce que finalement les plafonds sont assez sains, mais ouais, c'est la plaque de polystyrène. Bon, de toute façon, cette maison-là, je l'aime pas, hein. C'est ma maman qui en kiffe dessus, mais moi. Alors, il y a celle-ci. Celle-ci s'est vendue par un office HLM. Il y a un garage en plus et un jardin derrière, et franchement, c'est hyper accessible. Tu peux même mettre sur ta voiture devant le garage. Comme j'ai dit à ma mère, si elle baisse beaucoup, pourquoi pas? Mais là, non. Moi, ce qui m'a rebuté, en fait, c'est que ce mur-là, on voit qu'il y a plein d'humidité en bas du mur. Dommage, dommage. Parce qu'il y a deux belles chambres avec du parquet en bois. Ça, on est. Le parquet, tu le ponces, tu mets un enduit spécial et le parquet, il est ok, quoi. Il y a déjà les radiateurs, donc de montée, des radiateurs donc qui sont chauffage au gaz, mais tu peux mettre une pompe à chaleur parce qu'avec les aides d'État, t'as le pompe à chaleur. Bon, le jardin un peu petit, hein, quand même, mais on avait regardé, il fait quand même 212 mètres carrés, donc c'est une impression au niveau de la photo. Mais bon, moi je. Non, 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 je sais pas, mais non. Pour le moment, c'est pas le coup de cœur. C'est pareil, hein, on pourrait faire quelque chose, hein, de cette maison, parce qu'au final, 78 000, bon, mais.
Non, 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 il faut qu'elle baisse. Non, non, ouais, 78 000, il faut qu'elle baisse. Ah ben moi, s'il n'y a pas de baignoire, c'est mort. La baignoire, même, c'est pas que pour prendre des bains, hein, mais si tu veux nettoyer, laver une couette, si tu veux... Ah, la baignoire, c'est trop pratique, hein. Bien sûr qu'on peut négocier, mais comme j'ai pas le coup de cœur, c'est ce que j'ai dit. Si un jour je revois l'annonce à 40 000, bon, je dirais, ah, oh, peut-être qu'il y a moyen. Parce que là, à 40 000, je te mets déjà, pour commencer, je suis désolé, mais derrière, là, on voit même pas l'arrière, mais moi je te mets une véranda, hein. Clac. Mais non, j'ai pas le coup de cœur, mais c'est pareil. Ça, il y a moyen de faire un truc sympa. Parce qu'en plus, si devant vous améliorez l'apparence avec une petite clôture. Enfin, Monsieur Bottenherbe a un diplôme de paysagisme. Donc, il y a moyen de faire un petit chemin sympa avec plein de fleurs devant. L'arrière, le jardin potager. On voit qu'autour de la maison, il y a un petit peu, comme ça, tu vois, il y a une petite allée. Et puis, il y a peut-être une petite cour derrière pour mettre le salon de jardin. C'est charmant, mais moi, j'ai pas le coup de cœur. Et surtout, la toiture. Mon Dieu. Une fois de plus, la toiture, elle est impeccable. Un peu de mousse verdâtre ici, mais franchement, la toiture, on voit, elle est bien droite, bien neuve. Mais moi, j'ai pas le coup de cœur, non. Donc, alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore qu'on a vu? Là, il y a une maison. Alors, on l'a sûrement déjà vue, mais qu'est-ce qui allait pas? Ah, mais non, c'est celle-là. Celle-là, c'est pareil, elle se vend pas. Mais pourquoi elle se vend pas, cette maison? J'en sais rien. Moi, je kiffe trop, hein, la cheminée avec les bancs rouges, là. Bancs qu'il faudra sûrement rénover. Enfin, au pire, on rachète du... parce que ça doit être du velours ou quelque chose comme ça. On enlève le tissu, on en met du neuf, hein. Mais moi, je kiffe trop cette cheminée, là. Alors là, ils ont un petit peu enlevé du... Je sais pas pourquoi, il y a du carrelage qui manque. Bon, peu importe. Ils ont cassé le carrelage. Bon, je ne comprends pas. Mais cette maison-là, c'est pareil. Alors toujours, hein, en haut, vous voyez, il y a des dalles en polystyrène. Hein. Toujours, toujours. Mais effectivement, il y a toujours du potentiel dans cette maison. Le truc, c'est qu'elle se vend pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quand on visite, il y a encore un truc, un vice caché, comme on pourrait dire. Bon, déjà, on voit que le volet est roulant au niveau de la porte, il est cassé. Donc il doit y avoir des trucs, vous voyez. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend combien on l'achète. Si vous l'achetez 60 000, vous pouvez mettre 10 000 euros dans un volet roulant électrique. Hein. Ça coûte même pas ce prix-là, hein. Donc c'est toujours pareil. Hein. Oh si, là, ça c'est dans mon budget, ça. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ma famille peut m'aider et moi j'ai de l'argent de côté. Hein. Ça fait quand même une paire d'années que je vis avec le strict minimum pour mettre de côté pour acheter une maison. Hein. Bon, je suis pas sûr que ça isole super bien. Hein. Peut-être qu'à l'époque c'était l'argument de vente, mais... Puis quand tu isoles les parois extérieures, mais pas les pièces entre elles. Au contraire, si tu isoles les pièces entre elles, la chaleur monte pas dans les chambres et il fait froid dans les chambres. Bon, on a encore d'autres maisons, hein. On a toujours pas la maison que j'ai vue hier. Ah, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, la maison qu'on a vue hier avec ma mère. Donc là, bon, autre chose. Pareil, pas trop moche, hein. On voit clairement, les plafonds sont sains, les murs sont sains. Le sol, bon, c'est du sol en plastique, là, du linoléum. Ça a un avantage quand même, le sol en linoléum, c'est que si vous faites tomber votre téléphone portable, il est peu probable qu'il casse, parce que ça amortit les chocs. Mais bon. Là, on a une maison 5 pièces, alors. Est-ce que je l'ai vue, celle-là, ou est-ce que c'est une nouveauté? Il me semble que ce couloir-là me dit quelque chose. Oui, la cuisine. Alors là, la cuisine, on voit clairement que les placards sont de... prêt à se casser la figure. Mais c'est toujours la même maison, regardez. C'est la maison avec la cheminée et les bancs rouges. Celle-là, elle se vend vraiment pas. Voilà, c'est juste une autre annonce. Ah ben, au moins, on a plus de photos. J'avoue que il y a de l'isolation au niveau du toit aussi. Je sais pas, je sais pas. Celle-là, de toute façon, je l'ai pas visitée parce que je la sens pas non plus. C'est ce que je disais, hein, il faut avoir le coup de cœur. Ça. Et là, c'est la dernière en date. Alors, elle nous convient pas parce qu'au final, cette maison-là, il n'y a pas d'accès pour les vélos, ni de garage, ni de passage sur le côté. Donc bon, c'est compliqué, mais alors ça, celle-là, elle est bien. Elle est très belle, celle-là, pour le prix. Sachant qu'il y a toujours moyen de négocier le prix.
Toujours, il y a des dalles au plafond. Hein. Alors, le nord avec les dalles en polystyrène, c'est... Ouais, mais alors c'est complètement con, Gernot, parce que celui qui voulait pas, en fait, eh bien, restaurer le carrelage d'en dessous, ben, il se retrouve à devoir refaire tout le carrelage pour remettre du neuf au-dessus. Enfin, c'est n'importe quoi de faire ça. Hein. Ah, celle-là, alors il y a double cheminée, hein. Il y a cheminée au bois et ça, c'est un poêle au gaz. Mais sachant qu'on peut le remplacer, le poêle au gaz, à mon avis, par roulement de tambour, eh bien, un truc à peler, là, hein. Une chaudière avec des pelées là. La cuisine est belle. Mais ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est la verrière là au plafond. J'ai peur que ce soit mal isolé, tout ça. Il y a un peu d'humidité là au niveau de la cuisine. Les chambres sont grandes et il y a une chambre, celle-là, elle doit être immense parce que regardez la taille du lit par rapport à l'ensemble de la chambre. Le toit est isolé. C'est de l'isolation mince, comme dirait Monsieur Botternerme, mais il y a un, deux, trois. Un grenier. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de cave parce qu'on n'a pas de soupirail. Dommage. Et on a le jardin aussi, je ne vous ai pas montré. Le jardin qui a l'air pas mal. Mais pareil, alors on n'a pas trouvé l'adresse de cette maison. On veut voir si au bout du jardin, on peut avoir un accès, il y a un chemin, parce que des fois, on a accès par devant et par derrière. Et le truc, c'est que si on peut accéder par derrière pour faire passer les vélos, les poubelles et tout, ça peut être pas mal. Maintenant, j'ai pas trouvé l'adresse. Il faudrait que je fasse marcher mes dons de sorcière pour trouver, parce que moi je suis assez fort à trouver les maisons en fait, pour voir où est-ce qu'elles se situent. Sachant qu'elle est en lisière de forêt celle-ci. Belle maison de ville idéalement située en lisière de forêt. Donc derrière, c'est la forêt, c'est cool. Donc ça, c'est une annonce à surveiller en fait. Parce qu'on sait jamais. Et le prix y a qu'à baisser. Bon, en plus, elle est E, hein. Elle n'est pas F ou G, elle est E. Donc bon. Mais on voit qu'elle a été super bien entretenue. La façade a été refaite. Bon, à surveiller. À surveiller. Mais je crois qu'elle va partir vite, cette maison-là. Le seul truc, je vous dis, c'est la cuisine avec ce faux plafond plastique là. Et l'humidité quand même qui est un petit peu par-ci par-là. Si c'est de l'humidité d'ailleurs, hein, on voit pas bien si c'est de l'humidité ou si c'est de la crasse. Parce que c'est peut-être des trucs qui étaient attachés au mur, j'en sais rien. Mais la cuisine est belle en plus. Hein. Ah, la cuisine est très très belle. Très belle. Voilà. Donc voilà, vous avez les prix des maisons dans le nord. Sachant que, je le rappelle, le prix affiché, c'est pas le prix vendu. Hein. Bien souvent, ils mettent plus et puis ils savent très bien qu'on va négocier 10 000, 20 000 euros sur le prix qui est affiché. Hein. Donc celle-là, 98 000, vous pouvez essayer 78 000. Hein. Dans le nord, ça passe. Des fois, ce genre de proposition, ça passe. Super, un live immobilier, j'adore. C'est pas vraiment un live immobilier parce qu'après, je vais démarrer mon jeu, mais. On a fait le point sur les maisons qui sont vendues dans le coin. Voilà. Mais j'avoue que les prix, c'est peut-être pas les prix qu'il y a dans d'autres régions. Regardez-moi ça c'est beau aussi, hein. On a des beaux volumes, des beaux espaces, mais il y a des marches d'escalier. Moi, je sens que, dégourdi comme je suis, les marches d'escalier, je vais me les prendre à chaque fois. Ah, la cuisine est belle aussi, hein. C'est beau, hein. Ah non, Seigneur, non, 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 non. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de regarder les flèches comme ça. Les prix baissent. Alors après, je sais qu'il y a un site où on peut retrouver les anciens prix. Mais crois-moi qu'il y a des maisons qui baissent, qui baissent, qui baissent. En fait, c'est simple. Il y a des maisons, tu les retrouves 2 mois après avec 20 000 euros de moins. Donc le truc, c'est qu'il faut faire une proposition quand elle est chère à 20 000 euros de moins. Comme ça, le gars, quand on lui dit ben, ça se vend pas, il faut baisser le prix, plutôt que de mettre une annonce à 20 000 euros de moins, il sait qu'il y a une proposition à 20 000 euros de moins. Historique prix immobilier. Normalement, il y a un site qui enregistre.
Historique suivi des agences immobilières. Ça marche pas, d'accord. D'accord, c'est la commune. Oui, mais c'est pas en fonction des annonces, ça. Attendez, on va installer une extension. Peut-être que ça va être bien, ça. Peut-être que ça va m'aider dans ma recherche. Attendez. Ajouter l'extension. Je sais pas si ça marche avec le bon coin. Cette icône... Oui. Alors, attendez. Ah oui, attendez, là, on a peut-être fait une bêtise. Enfin, non, on n'a pas fait une bêtise, mais il faut que j'installe dans le deuxième profil l'extension. Voilà, j'ai fait deux profils pour pas que vous voyez tout ce que je fais. Ok, il n'y a pas besoin d'activer la notification, donc on va dans Castorus, voilà. On va réactualiser, ah bah oui, forcément, là ça marche pas, voilà, Castorus, alors comment je fais ? Est-ce qu'il faut que j'actualise la page pour que ça s'affiche l'extension ? Ah, dis donc ! Moi, j'ai pas le mode d'emploi. Ah, il faut cliquer sur Castorus. Ah non, Castorus, il me remet sur le... Ah d'accord, je crois que ça enregistre quand tu visites la première fois. Et après, ça... Ça retient les numéros et après tu peux... Ouais, mais du coup, c'est pas intéressant. Hein. On va essayer de faire ça, par exemple, dans Google. On va essayer de voir en cache... Voir si on n'a pas l'ancien prix de ce genre de maison avec le symbole. Non, ils ont pas. Avec le symbole du prix qui baisse. C'est tout un art. Hein. Ouais, il n'y a pas d'annonce en cash. C'est dommage. Bref, tout ça pour vous dire que plutôt que d'attendre qu'il y ait ce fameux symbole baisse de prix, bah vous pouvez faire des propositions des fois à 20 000 en moins et ça passe. Oui, les vrais prix auxquels les biens ont été vendus, mais là c'est pas encore vendu puisque l'annonce est encore disponible. Bah ça dépend dans quel coin du Nord, Luxo des deux, hein. Ben je vous invente pas des prix, là vous avez le bon coin en direct, hein. Donc écoutez, voilà, on est dans le Valenciennois si vous voulez faire des économies. Par contre dans le Valenciennois, c'est le Valenciennois. Hein, attendez-vous quand même à avoir une vie différente. Oui, mais on s'en fout, Seignan, puisque ça parle des maisons vendues. Nous, on veut les prix, l'historique des prix des annonces. Oh, encore une belle maison avec une voûte. Une voûte en briques. Qu'est-ce que c'est que cette belle maison? Ah, par contre, les cheminées condamnées, moi, ça me... hein? Bon... On a un sol, vous voyez, noir et blanc, comme j'aime bien. Et la fameuse cuisine rouge! La fameuse cuisine rouge qui est plus du tout à la mode, vous avez vu? Les photos sont floues, hein, par contre. Oula, là, il y a eu des rajouts au niveau de la façade. Là, ça doit être des tôles pareilles. Alors, c'est des tôles soit métalliques, soit c'est de l'éternite, c'est-à-dire de l'amiante. Oh, le couloir, j'aime bien. Alors attendez, parce que j'ai pas fait attention. L'entrée, elle donne dans le couloir ou l'entrée, elle donne dans la pièce? À mon avis, l'entrée donne dans le couloir. Hein. Parce que quand on regarde cette photo-là, il n'y a pas la porte d'entrée. C'est mignon aussi, ça, hein, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit passage sur le côté. Alors, est-ce que le passage sur le côté appartient à cette maison-là? Ou est-ce que le passage sur le côté appartient à la maison d'à côté? Vu la couleur, j'opterais, moi, pour cette maison-là, parce qu'en plus, il y a une boîte aux lettres.
On a un détail. Mais on s'en fout, ça. C'est niant. Ce que je voulais montrer, c'était le fait qu'il y ait des maisons qui baissent des fois de 20 000, 30 000 euros, quoi, et que du coup, on peut faire baisser les prix sans attendre que ce soit le propriétaire qui baisse parce qu'il n'arrive pas à vendre. Et faire des propositions basses, c'est comme ça la proposition reste en suspens. Et si effectivement, eh bien, après, il se rend compte qu'il vend pas, eh bien, il va vous accepter votre proposition plutôt que de refaire une annonce à un prix plus bas. Alors, 720 mètres carrés. Au sous-sol, nous avons une cave, c'est bien. Couloir, cuisine, salon séjour, salle de bain et WC au rez-de-chaussée, c'est parfait. Premier étage, palier, trois chambres. Très bien, c'est ce qu'il nous faudrait. Au-dessus, nous avons alors des combles. Est-ce que ça veut dire que le grenier n'est pas accessible? J'en sais rien. Jardin, remise, passage de côté, il y a une remise et le passage à côté. Donc c'est bien ça ce que je disais pour passer les poubelles et les vélos. Proche transport, école, commerce, chauffage électrique, double vitrage. Donc c'est du double vitrage en plus. Ah, par contre, il y a un arrêté d'insalubrité. Pour quelle raison? Ça me fait rire parce que nous, on a déjà vu des arrêtés d'insalubrité aussi. C'était des locataires qui voulaient avoir des travaux gratuits dans la maison. Donc ils ont fait des dossiers pour insalubrité. Et en fait, quand tu regardes la maison, c'est juste le locataire qui fait pas le ménage, quoi. Bah non, la putain, c'est ce que j'ai dit 50 millions de fois. J'ai pas encore eu de coup de cœur. Mais enfin bon. Vous savez, moi je suis d'une patience d'ange. Vous pouvez me répéter les mêmes choses en boucle. Je vous répondrai les mêmes choses en boucle. Hein. La cuisine, elle est space quand même. Hein. Un peu étrange. Puis moi, les cuisines ouvertes, alors c'est pas mon truc. Hein. Vous en pensez quoi des cuisines ouvertes? Grand débat là, dans l'immobilier. Allez, on a vu assez de maisons, il n'y a rien de. Franchement, j'ai pas eu de coup de cœur. Moi, j'avais eu un coup de cœur sur une maison qui était perdue dans la campagne il y a quelques mois là. Et c'était trop loin, mais j'ai pas de coup de cœur. Il faut une bonne hotte pour la cuisine fermée ou la cuisine ouverte? La cuisine semi-ouverte, alors là. Non, un appartement, ça m'intéresse pas, la putain. Quand tu vois le prix des maisons, qu'est-ce que tu vas acheter un appartement? Enfin, des fois, vous êtes bizarre. Hein. Salut Julie, comment ça va? Pour la cuisine ouverte? Ouais. On peut continuer à parler quand je fais d'autres activités. Ouais. Moi perso, je me dis que si je fais des frites, la cuisine ouverte, après ça sent dans toute la maison. Hein. J'aime pas les cuisines ouvertes. Voilà. Mais nous, après, c'est parce qu'on cuisine beaucoup aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui cuisinent, certes, mais qui cuisinent du picard, quoi. Moi, ça va, Julie. Je vais bientôt démarrer le jeu, là, dans 6 minutes. Tu vends 3 maisons en Bourgogne. Eh ben, bon courage pour trouver un acheteur. Là, il y a une maison, par exemple. Attendez, est-ce qu'on a l'annonce? Là, on a une maison qui était à 157 500. Elle a baissé à 129 500. Limite, il aurait fallu que je vous montre ça. Attendez, on peut voir l'annonce. Donc, je suis désolé, mais ça a baissé de plus de 20 000 euros, hein. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que je vais devoir réouvrir le navigateur quand même? Ah, oh, oui, bien sûr. Attendez, on va regarder ça. Donc. Voilà. Et là, on va aller ici, copier. Hop. Voilà, je remets le petit tchatch. Le tchatch qui tchatch. Non, 100% content. Non, on veut pas déménager, non.
Comment faire passer le hockey? Alors écoutez, moi, d'après des chaînes scientifiques très pointues, paraîtrait-il qu'il faut mettre un glaçon dans son nombril. J'ai essayé, ça marche pas. Voilà, donc j'ai aucune idée. Moi, quand j'ai le hockey, ça m'agaçait. Ah, j'ai déjà vu ça des maisons avec arrière-cuisine, c'est top. Bon, allez, on accepte. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, chargement. Ça plante, on va recharger. Donc là, vous voyez, vous avez une maison qui était à 157 500. 157 500. Et elle a baissé déjà à 129 500. Alors là, on n'est pas dans nos budgets, mais c'est pour vous montrer que celle-là a déjà baissé de 28 000 euros. Alors on va aller la voir quand même. Qu'est-ce qui justifie le fait que cette maison ait baissé de 28 000 euros? Ça, c'est un propriétaire qui voulait gagner de l'argent, mais qui a mis un prix trop élevé. Et sûrement que l'agent immobilier lui a dit: Non, mais monsieur, à ce prix-là, vous n'arriverez pas à vendre. Et puis il s'est acharné, il s'est acharné. Et puis après, ben, au bout d'un moment, il a compris qu'il ne vendrait pas à ce prix-là. Ça a l'air petit, hein, comme pièce. Alors là, je sais pas, il y a une photo qui a été. On dirait que c'est deux photos qui ont été collées là. Ils font des trucs pour donner l'impression que c'est grand. Ok. Ah, il y a encore du polystyrène au plafond. Et le jardin n'est pas si grand que ça. Ah, là, ok. Ok, il y a un passage comme ça sur le côté qui est plus grand. Bon. Ça, c'est, disons que c'est un passage pour mettre ta voiture, quoi. Mais il n'y a pas de garage. Ah bah, elle va encore baisser, celle-là, je peux vous le dire. Vu tout ce que j'ai déjà vu, ça va baisser, ça. C'est dans quelle ville? Ah ouais, bah, non, c'est dans cette ville-là, c'est pas ces prix-là. Ah, ah! Impossible. Donc, vous voyez, celle-là, ça fait 212 jours qu'elle est en vente, en plus. 272 jours, pardon, qu'elle est en vente. Ça fait longtemps qu'elle est en vente. Au bout d'un moment, les prix baissent, hein. On veut voir, on voit pas. Ah, vous voyez rien depuis tout à l'heure! Mais c'est merveilleux! Bah, je vais refaire exactement la même chose, comme si. On va faire comme si j'avais rien fait. Hop! Et puis on va recommencer. Ah là 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 là! Capture de fenêtre. Pourquoi en plus ça capture plus? Alors, c'est ça, voilà. Bah oui, voilà. Alors, je vous disais donc que cette maison-là était à 157 500 et qu'elle a baissé à 129 500. C'est donc une maison qui a baissé de. Je l'avais dit. Alors, 100. Hop, 28 000 euros. Hein? Donc là, on est presque à 30 000 euros. Hein? Bon, ça fait 272 jours qu'elle est en vente. Je ne sais plus où on voit ça, mais on voit ça quelque part sur cette page. Voilà, bah c'est surligné. En vente depuis 272 jours. Donc autant vous dire que ça fait longtemps qu'elle est en vente cette maison-là. Donc voilà la maison en question. Est-ce que là vous voyez? Est-ce que là vous voyez? Maintenant vous voyez. Donc, déjà, je vais vous faire toutes mes critiques parce que j'en ai visité de la maison. La marche là, avec le carrelage, la marche d'entrée, le carrelage qui est pété, c'est pas de bon augure. Les fenêtres, je sais pas, mais on dirait pas du double vitrage, on dirait des fenêtres en bois. À confirmer, mais ça n'a pas l'air super isolé. Là, la pièce là, quand on voit la taille de la télé, quand on voit le nombre de carreaux au sol, elle est minuscule. On continue, la cuisine est très petite, parce que en largeur, vous avez un lave-vaisselle plus un four de largeur. Alors c'est vraiment petit, hein? C'est vraiment petit, hein? On continue. Là, c'est la fameuse photo qui a été un petit peu trafiquée, vous voyez, au niveau du carrelage. Parce que c'est pour donner une impression de profondeur, j'en sais rien, de grandeur. C'est des photos qui ont été mal collées, mais bon. Ah, la pièce là, elle n'est pas extraordinaire non plus. Les chambres, ça va. Je veux dire que, en fait, vous avez un salon qui est de la taille d'une chambre, et vous avez cette pièce là qui est de la taille d'une chambre aussi, alors que ça devrait être des pièces plus grandes quand même. Là, on a une deuxième chambre, je pense, qui sert de débarras, toujours avec les polystyrènes au plafond, hein. On se refait pas. Là, vous avez le jardin qui n'a pas l'air très très grand, mais heureusement, vous avez un passage sur le côté. Mais le passage sur le côté, à mon avis, sert à garer une voiture. Donc, c'est pas un garage couvert, mais c'est un passage sur le côté. Donc,
Ok, mais ok tiers, quoi, parce que du coup, le passage sur le côté, il a l'air un peu grand. Vous voyez, on le voit ici, hein, c'est la grande barrière bleue, là. Mais le jardin est petit, et donc c'est pas ces prix-là. Tout ça pour dire que... Quelques murs à abattre, bah oui, mais si tu abats des murs, tu diminues le nombre de pièces. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de maison. Ça va encore baisser. Et donc, effectivement, tout ça pour vous dire que non, baisser de 30 000 euros, des fois, c'est faisable. Vous pouvez très bien regarder des maisons à 100, on va dire 120 000 et les faire baisser à 90 000, hein. Il faut pas avoir peur, hein. Parce que le problème qui se passe dans l'immobilier, c'est que là, ça fait 272 jours donc que le monsieur essaye de vendre sa maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il doit payer les factures pendant ce temps-là. Donc, il y a deux options. Soit il continue de chauffer au minimum et il paye les factures dans le vent. Soit il ne chauffe pas et la maison se détériore. Donc, elle baisse en prix. Et si c'est pas des murs porteurs, Luxo D2 en plus, hein. Et n'empêche que bon, tu peux pas agrandir la superficie de la maison. Si tu déplaces les cloisons, tu réduis la taille d'une pièce pour agrandir une autre, mais ça fait pas plus de mètres carrés, hein. D'ailleurs, je sais pas combien de mètres carrés elle fait. 110 mètres carrés quand même. Bon. Mais non, elle me plaît pas, mais c'est pour vous montrer la baisse des prix. Alors du coup, j'ai trouvé, hein, sur Castorus, j'ai trouvé comment ça marche. Donc, on va aller voir s'il n'y a pas... Alors, admettons, attendez. On va aller voir un truc intéressant là. Puis après, on va quand même démarrer Sherlock. Il va faire la tête, Sherlock, si on ne le démarre pas. Voilà, je vais regarder. Là, par exemple, on a... Ça, c'est pareil. 118 500, ça a été baissé de 8%. 104 500, ça a été baissé de 13%. Là, on a 120 000. Il faudrait en fait prix maximum. On va se mettre... Ah, c'est toujours pareil. 100 000 euros, allez. Il faut voir si on peut encore faire baisser ou pas. Mais... Oh là, par exemple, on a une maison à 72 000 euros. Ben, c'est peut-être une que j'ai déjà vue d'ailleurs, hein. Elle était à 82 500, elle a baissé à 72 000. Donc 82 500 moins 72 000. Là, elle a baissé de 10 500 cette maison-là. Donc vous voyez, on peut faire baisser beaucoup une maison. Puisque là, de toute façon, c'est le vendeur qui a fait baisser le prix de l'annonce. Mais après, il y a encore l'acheteur qui souvent refait baisser le prix de l'annonce. Donc là, il y a déjà eu 10 000 euros au niveau de l'annonce qui sont partis. Ah, c'est pas cette annonce-là, par contre. Ouais, je me suis trompé. Il y a déjà 10 000 euros. Ah! Mais comme le... C'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, le prix baisse. C'est cette maison-là. Donc il y a déjà 10 000 euros qui a baissé par rapport au prix d'origine, qui était de 82 500. 10 500 euros. Et puis, clairement, si vous y allez, vous pouvez encore au moins négocier 5 000 euros. Donc ça vous fait 15 000 euros de baisse au total. Celui qui, effectivement, aime vraiment cette maison, aurait pu faire une proposition, et au lieu de mettre 82 500, il a fait baisser de 15 000, il aurait pu faire une proposition à 67 500, et peut-être ça serait passé. Alors au début, le propriétaire aurait dit non, 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 puis là, pour maintenant, peut-être qu'il garde cette proposition-là dans un coin de sa tête, et puis il se dit, ben finalement, pourquoi pas? Je veux dire, le but, c'est pas d'avoir une proposition qui est acceptée tout de suite, mais le but, c'est... d'avoir une proposition qui est en suspens, et le propriétaire, après, s'il voit qu'il vend pas, ben, au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, il a des frais de chauffage pour entretenir la maison, ou alors il voit la maison se détériorer, parce qu'une maison qui n'est pas chauffée, ça se détériore très vite. Et après, ben, des fois, vous pouvez avoir un bon plan, là. Sachant que cette maison-là, ça fait 149 jours quand même qu'elle est en vente. Hein. C'est beaucoup, hein, pour l'immobilier. Donc, à la recherche, à... non, non, mais les émissions, mais déjà que j'aime pas la télé, que je regarde pas la télé, c'est pas pour participer à la télé, hein. De dehors, ça paraît plus grand, c'est bizarre. Ouais, bah ça doit être, ouais, c'est. De toute façon, moi ça m'intéresse pas, c'est pas le coup de cœur.
Vous n'avez pas le droit de rajouter, par exemple, le jardin dedans, c'est-à-dire... Ah oui, non, alors ça, par contre, Mama Midnight, les jardins de 1000 mètres carrés et les maisons de 110 mètres carrés, oui, effectivement, on peut pas agrandir la maison autant qu'on veut. Non, malheureusement, c'est pas possible. Bonjour Gigima, bienvenue! Bonne rentrée, oui. Enfin, moi je me suis pas arrêté, mais merci. Est-ce que c'est la rentrée d'ailleurs? Oh, on se dira bonne rentrée la semaine prochaine, hein? Les viagers non occupés, si, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a un qui nous est passé sous le nez, c'était une maison magnifique, magnifique. J'en rêve encore la nuit. C'est un viager non occupé à 400 euros par mois, 440 euros par mois, et c'était une maison magnifique. Je souhaite déménager. Non, non. Je vais acheter une maison et je vais rester ici. Oh là là, vous êtes. Parfois, vous êtes un peu quand même taquin. Hein. On va dire que vous êtes taquin pour rester poli. Hein? Si le viager non occupé, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas les moyens d'aller en EHPAD. Et donc, du coup, elles mettent leur maison en vente en viager. Et grâce à l'argent que vous donnez tous les mois, non seulement cette personne, elle sera, eh bien, peut-être mieux en EHPAD que toute seule chez elle, et en plus, eh bien, vous après, vous récupérez la maison, et souvent, c'est des personnes qui n'ont pas d'héritage, n'ont pas de famille. Donc, ça évite que ben, la maison, elle soit je sais pas, abandonnée à l'État ou... Périmètre de recherche, j'en sais rien. Ah bon, vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai comme voiture? Pourquoi t'as prévu de venir chercher dans mon quartier après ma voiture pour venir crever les pneus? Ah là là, les gens. Oh bah des fois, ça dépend. Moi, ça me mettrait pas mal à l'aise de savoir que grâce à moi, une personne âgée, elle est bien soignée alors qu'elle était toute seule chez elle et qu'elle n'avait pas les moyens de se faire soigner, hein. Par contre, les viagers occupés, j'avoue que c'est bizarre ça. Puis déjà, ça coûte. Et c'est bizarre. Mais après, c'est toujours pareil. Il faut se mettre à la place des gens. S'ils n'ont pas d'héritage, autant faire plaisir à quelqu'un qui va acheter une maison peut-être pour pas grand-chose, plutôt que d'avoir une maison qui soit à l'abandon, ou alors qui soit vendue via les ventes aux enchères de l'État, des machins, des trucs, enfin bref, quoi. Alors, viager occupé, c'est quand une personne habite encore dans sa maison et toi tu lui verses de l'argent tous les mois et après quand la personne décède, eh bien tu récupères la maison, tu deviens propriétaire de la maison. D'ailleurs, tu es même propriétaire tout le temps où tu payes le viager d'ailleurs. C'est à savoir. Le viager non occupé, c'est-à-dire que tu payes tous les mois, mais la maison, comment? La personne n'habite plus dans la maison. Mais tu dois quand même lui payer tous les mois. Donc là, tu peux, disons que tu peux emménager tout de suite dans la maison, puisque le viager est non occupé. Mais tu dois payer tous les mois comme un loyer. Sauf qu'à la fin du loyer, ben, la maison t'appartient. Ville ou campagne? Ben, j'en sais rien, moi. C'est plus campagne, mais campagne proche de ville. Et puis de toute façon, ça dépendra aussi de beaucoup de choses, hein. Je pense quand même qu'il est plus efficace d'habiter à côté d'un endroit où on travaille plutôt que d'habiter loin de son travail, par exemple. Donc bon, faut déjà trouver le travail. C'est compliqué la vie en 2023. Moi, je vais démarrer mon jeu. Mais on a vu. Est-ce que tu as des critères spécifiques? J'en ai parlé dans mon dernier live. Tu auras le VOD. La VOD. Je pense qu'on ne peut pas avoir de critères spécifiques parce que si on n'aura jamais tout ce qu'on désire, donc ça sert à rien d'avoir des critères trop. Casser ton budget, ça veut dire quoi cette expression? On casse pas un budget, oui. On l'augmente, mais casser, ça voudrait dire qu'on le baisse, non? Le budget n'est pas extensible à l'infini, hein. Je comprends pas la question. Non, la maison parfaite, ça n'existe pas, donc faut arrêter de se faire des films. Hein.
Et sachez que même si vous gagnez à l'euro million et que vous faites construire votre maison parfaite, vous aurez toujours des ennuis. Les maisons neuves, il y a toujours des trucs. Bah, plus d'argent, l'argent, il tombe pas du ciel, hein. Dis donc, quelle est cette musique un peu forte là qui nous... Oh, je baisse un peu, hein. Ça y est là. On peut pas mettre plus. C'est pas... En fait, en matière d'immobilier, c'est pas toi qui choisis ton budget. C'est soit la banque qui te dit combien elle peut te prêter et tu fais avec. Soit c'est... Tu as une certaine somme, et comme tu as une certaine somme, eh ben, tu fais en fonction de la somme que tu as. Mais tu peux pas en fait augmenter un budget, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, c'est moi qui fais des conneries là. Tac. J'en sais rien, la putain, ça dépend du prix de la maison. Ah! La moitié de 40 000 et la moitié de 90 000, c'est pas la même chose, hein. Vous posez trop de questions là, en plus ça se fait pas de poser ce genre de questions. Pourquoi tu ne fais plus de live? C'est un bonheur. Parce que là je suis pas en live. Oh ça y est, nous avons l'intelligence extrême qui est arrivée. C'est original. Bah non, mon frère, il aurait la même somme. Mon frère ne serait pas jaloux. Vous croyez quoi? Ça serait fait devant notaire, hein? Mais le truc, c'est que ça sert à rien de gagner, de garder des grosses sommes d'argent à la banque, sachant qu'en cas de faillite bancaire, la banque rembourse que 100 000 euros maximum. Donc, bon. Si vous avez plus de 100 000 et qu'il y a une faillite bancaire, chose qui est déjà arrivée en Suisse par exemple, hein, et puis aux États-Unis, ben vous l'avez dans l'os. Donc, après, vous pouvez mettre ça sur une assurance vie, mais c'est imposable et ça rapporte pas grand-chose. Et puis l'assurance vie au final, c'est la même chose. C'est vos descendants qui profiteront. De l'assurance vie après votre mort. Bah, autant faire profiter tout de suite que attendre la mort pour que les descendants puissent en profiter, quoi. Bon, c'est. Est-ce qu'on peut vraiment. Il y en a qui sont comme ça, Mama Midnight. Il y en a qui sont jaloux. Moi, les miens veulent pas. Bah, oui, ça. Donation partage, j'en sais rien du tout comment ça s'appelle, là vous me demandez trop. Moi je suis pas notaire, hein. Oh. Pourquoi je ne fais pas plus de live? Bah je suis en live. Demandez ça à la rigueur sur YouTube quand je suis pas en live. Ah, ok. Mais demandez ça quand je suis en live, profitez déjà de ce live-là avant de penser aux autres lives, hein. C'est complètement bon, hein. Oui, mais il y a d'autres différents systèmes, Guigima, et puis on s'en fout du système. Ça, on voit ça au moment opportun. Que ce soit de la donation partage ou pas partage, que ce soit... il y a différents... C'est les notaires qui s'occupent de ça. Ah oui, après, ça, si les parents veulent pas faire de donation, c'est pas une obligation de faire une donation, hein, mais quand même, pensez-y, pas forcément à la donation, hein, mais si vous avez plus de 100 000 euros dans une seule banque, ça vaut peut-être le coup d'ouvrir un compte dans une deuxième banque et de ne pas laisser plus de 100 000 euros au même endroit. Ça, c'est juste un conseil comme ça. Bon, messieurs, dames, on va démarrer le jeu là parce que c'est bon, les questions techniques sur l'immobilier, les donations. Enfin, vous partez dans des délires là, un peu trop techniques.
Donc, non, pas du tout, Clem 14, mais tu sais, ça fait au moins 50 fois que je le dis, hein, donc, le moment où je dis, on passe au jeu, voyez, tout simplement, hein, il y a un temps pour tout, et là, eh bien, tout simplement, nous allons jouer au jeu Sherlock Holmes, affaire de la rose tatouée, et d'ailleurs, je vais modifier les infos du stream pour aller dans la bonne catégorie. Mandragore Plaza, je comprends pas hein, cette histoire de Stéphane Plaza. Bon, ça me dépasse, comme beaucoup de choses sur cette planète. Capture de la fenêtre. Dosbox. Tac. Tac. Et voilà! Alors, tac, tac, voilà. J'avais commencé à regarder la série Sherlock et puis on n'a pas... Je sais pas si on a fini la première saison. Alors, on va charger, hein, faut pas se tromper. Voilà. Donc là, petite histoire. On a avancé légèrement la semaine dernière. Et là, effectivement, alors, on est dans l'étude de Farsington. Et Farsington a réussi à nous ramener Bledsoe, qui a l'air d'être son amant. D'après ce qu'on a compris, mais c'est assez ambigu. Et on a des questions à poser à Bledsoe. Bledsoe qui est qui, je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Alors, pour savoir le nom du jeu, normalement, c'est marqué en dessous du live. Ça change pas. C'est sur tous les lives comme ça. Là, c'est Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. Donc, tout simplement, nous allons donc... Eh bien, écoutez, monsieur Bledsoe. C'est ce qu'on avait... C'est là où on était arrêté hein, la semaine dernière. D'ailleurs, c'était marqué sur un papier là que j'ai devant moi, mais qui est plus devant moi. Mais enfin bon. Bref. Merci d'accepter de nous voir, monsieur Bledsoe. Remercier Farsington, j'ai été contraint. Je suis désolé que vous vous sentiez brimé. Épargnez-moi les plaisanteries et dites-moi ce que vous voulez. D'accord, à la demande de mon frère, j'enquête sur la disparition du ministère de la formule du professeur. Vous pouvez prouver votre bonne foi, je présume. Ah! Bon, je vais baisser un peu le son. Vous, ça va le son, c'est pas trop fort? Je sais pas, j'ai pas calculé le nombre d'heures. J'ai pas calculé le nombre d'heures, hein. La putain, c'est quoi que cette question? T'es là depuis la nuit des temps, as-tu osé poser cette question? Sérieusement. Alors moi, je dois prouver que je suis bien de bonne foi. Alors normalement, bah, j'ai le courrier... alors j'ai attendu parce que j'ai la convocation laissée passer. Qu'est-ce que c'est? C'est lequel document? Parce que normalement, j'avais un courrier de son frère, c'est celui-là? Non? Ah bon? Dis donc, j'ai aucun laissez-passer qui fonctionne. Ça va être plus compliqué que prévu. C'est parti, le jeu démarre. Ah, c'est un jeu assez compliqué. Hein, ça, c'est une note de DeWar, c'est le résultat de l'analyse. Alors là... On n'entend presque pas le jeu. Parce qu'après, bon, il faut pas... Hop, je peux augmenter légèrement. Mais il faut pas que ça masque. Oui, c'est un abandonware.
La musique est stressante. Oh, moi j'aime bien. Bah écoutez, je vais essayer de lui parler, hein. Quelle sorte de cigarette fumez-vous, monsieur Bledsoe? On me prépare un mélange égyptien chez Randall's. Pourquoi? Par curiosité, monsieur Bledsoe. Une manie chez moi. Menteur. Eh, dans l'inventaire, on n'a pas un tabac ou une cigarette? Si, si, hein. D'ailleurs, on a une tabatière. C'est la tabatière... C'est la tabatière de son frère, ça, mais on avait vu, en fait, hein. C'était où qu'on avait vu un cendrier avec du tabac, là? Bref. Quand avez-vous vu la formule de Dewar pour la dernière fois? Ça va trop vite encore. Hein. Alors, on va lire ça tranquillement. Quand avez-vous vu la formule de Dewar pour la dernière fois? Je ne l'ai jamais vue. Je veux dire, je ne l'ai retirée. Je veux dire que je l'ai retiré, mais je ne l'ai pas décacheté. Ah, l'employé vous le confirmera. Bah, dis donc, attendez, là. Il a donc vu la formule. Il a vu au moins le document. Mais en même temps, comme il est stressé à mort, c'est peut-être fait exprès que ce soit exprimé de façon... ambiguë. Malheureusement, Monsieur Pratt ne peut le faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous rencontrions. Peu importe. Veuillez répondre à la question, Monsieur Bledsoe. Si je veux être rudoyer, je peux lire le Gadfly. J'ai sorti le document parce que je prends mon travail au sérieux. J'avais du retard dans mes lectures. Holmes a dit, c'est une bonne démarche, j'en suis sûr. Bon, il a sorti le document, mais il l'a pas décacheté, donc il l'a pas ouvert. Mais pourquoi il l'a sorti alors? C'est comme si tu prenais ton courrier dans ta boîte aux lettres, mais tu l'ouvrais pas. Ben si, il faut ouvrir du courrier. Je suppose que vous avez... Que Pratt a été assassiné, savez-vous où nous pouvons trouver son partenaire ou Mrs. Ratchett? Là, vous tenez le bon bout. Pourquoi dites-vous ça? J'ai pensé à ces deux-là. Ils étaient là quand je suis parti. Je connais pas son entourage, mais la passion de Pratt pour les bains est bien connue. Et pour Mrs. Ratchett? La femme vit quelque part dans le quartier Est, un nid de radicaux. En d'autres mots, vous ne savez rien d'eux. Ah ah ah, bonne réponse. Mis à part dire que il aime bien les bains, bon oui, alors quoi. Vous devez savoir que mon frère est à l'hôpital. Oui, je suppose que l'enquête va être poussée indéfiniment. Votre sollicitude est touchante. L'explosion qui l'a blessé n'était pas un accident. Je n'y suis pour rien, je vous l'assure. Je l'espère bien. L'attentat était lié au vol de la formule. S'il y a eu un vol, je n'y suis pour rien non plus. Ne soyez pas si sec, monsieur Bledsoe, je vous demande votre aide. Vous voyez certainement que ces événements sont liés. La fin de l'enquête sur le vol nécessite la résolution des deux affaires. Je n'y crois pas, je suis innocent de tout acte qui pourrait mener à quelque chose de criminel. Votre étroitesse de vue vous causera bien des problèmes, monsieur Bledsoe, et... plutôt que vous croyez. Oh, j'ai dû lire vite, là. Il faut pas bafouiller. Vous n'avez pas le droit. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il est louche, le type. T'as raison, Antoine. C'est compliqué de vous joindre par Farsington. Comment pouvons-nous vous atteindre si le besoin s'en fait sentir? Bon, comment on peut te joindre, monsieur, là? On va refaire les dialogues, hein. Je préfère ne pas me présenter comme une cible pour mes ennemis, monsieur Holmes. Je ne reste jamais longtemps au même endroit. Les journalistes essayent de m'acculer. Jusqu'à ce que l'affaire se tasse, considérez que je suis disponible. Et il s'en va. Et j'avais encore un dialogue après moi. C'est une blague? J'aurais pu lui poser une autre question à la place. Mais c'est encore un truc qui a servi à rien. Je préfère ne pas me présenter, considérer que je ne suis pas disponible. Ah! Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on est tout seul dans le bureau. Ah ah! Donc on va pouvoir regarder.
Des papiers, des rapports et des lettres couvrent le bureau de Farsington. Il a remplacé l'élégante crédence qui lui servait de surface de travail par un meuble en chêne solide bien plus approprié. Une série de chiffres précède le nom du mois. Écrites grossièrement sur le bord gauche de la page, on voit des parties d'un mot. Pour un homme qui travaille peu, l'agenda de Farsington est bien rempli. Beaucoup des rendez-vous sont des déjeuners pour ce matin. Farsington a noté discussion PB. Rien de nouveau. Parce que tout ça, on l'avait déjà lu en fait. Oh là là. La cheminée est dépourvue d'ornements, un petit feu réchauffe la pièce. Tabatière. Oh, il y a des bonbons dans la tabatière. Regardez. Oui, on est avancé, mais on sait pas jusqu'où on est avancé. C'est un peu le but de ce genre de jeu. Bon, il y a plein de livres. Est-ce que ça vaut le coup de rester ici? Peut-être en sortant, il va se passer quelque chose, non? Peut-être aller voir le journaliste, hein, parce que ça a parlé de journaliste. Je vais retourner là quand même pour voir. Je vous ai dit qu'il n'était pas là, maintenant veuillez partir. Ok. Donc en gros, on est éjecté du truc et je peux même pas... Ah si, je peux quand même rester. On peut rester pour se balader. Bon, ok, j'ai bien compris que ça servait à rien de rester là, on va aller voir le journaliste. Par contre, alors, il y a peut-être, on a peut-être un nouveau lieu à visiter sur la carte. C'est le préparateur de tabac. Déjà, on va regarder ça. Il a parlé de tabac. Alors, est-ce qu'on aurait un tabac? Non, il n'y a pas l'air. Bon, moi, je vais quand même aller voir le journaliste. J'espère qu'il n'y a pas un truc au milieu de l'écran, parce que c'est pas facile à joindre au milieu de l'écran. Non, il n'y a pas l'air. Hein. Bon, on va aller voir le journaliste et on va rentrer chez soi, on aura peut-être un télégramme. Bon, là, il n'y a strictement rien. Hein. Ce journaliste-là, franchement, il sert à rien du tout. Alors... On retourne là. On va lui parler à la Wiggins. Peut-être qu'il a des infos. Non, rien de nouveau. Bon, on va ouvrir ça et on va réfléchir. Hein. Oh là là, qu'il est long pour se déshabiller, se rhabiller celui-là. Ah là là. Et l'horloge qui sonne. J'ai cru qu'on sonnait à la porte dans le jeu. Et au final, non, c'est mon horloge qui sonne. Ça fait très raccord. Oula, je suis en train de tout casser. Ah, c'est pas grave, vous voyez rien. Non, mais je remets bien mon coussin parce que sinon, je vais encore être affalé dans mon fauteuil. Bon, est-ce qu'on va revoir la femme de ménage? Lui, il a des soupçons sur la femme de ménage, mais bon, il est parti un peu trop vite en besogne. Oh, elle est vieille, la manucure, là. Il faut que je la refasse. Je vais mettre du vernis, mais je ne sais pas quelle couleur. J'avoue qu'en ce moment... C'est compliqué les couleurs de vernis. Oui, on s'en fout de tout ça. Hop,
Tac, 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 on se change. Tac. On est déguisé. On va voir la femme de ménage. Oui, allez, entre, hein. Don't tell her you ain't... Oui, on n'embête pas ton vieux. Ton vieux a bu du café, il va mieux. Allez. Il n'y a rien de neuf. Vous vous rendez pas compte tout ce qu'il faut faire juste pour ça, en fait? Oh, j'en ai trop mis du rose récemment. Du bleu ciel, mais le problème c'est qu'il fait un temps pourri, alors bon. J'ai envie de mettre des couleurs d'été, mais l'été m'a l'air d'être un peu. Du corail. Bon, il n'y a rien de neuf hein, non plus dans les dialogues ici. On va regarder hein, le journal. Je préfère ne pas me présenter comme une cible pour mes ennemis. Je ne reste jamais longtemps au même endroit. Les journalistes essayent de m'acculer jusqu'à ce que l'affaire se tasse, considérant que je ne suis pas disponible. C'est compliqué de vous joindre par Farsington. Comment pouvons-nous vous atteindre si le besoin s'en fait sentir? Vous devez savoir que mon frère est à l'hôpital. Oui, je suppose que l'enquête va être repoussée indéfiniment. Moi, je voudrais retrouver le passage avec le tabac. Voilà, vous fumez un mélange égyptien de chez Randalls. Alors nous, on peut pas y aller chez Randalls pour voir qui fume, pour avoir des infos. Ah, mais moi j'adore ça, Antoine. J'adore tourner en rond, faire réfléchir ses méninges et... De toute façon, c'était le but de ces jeux-là. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Fallait occuper le temps. Il fallait que les jeux durent longtemps avec un média de stockage, hein, une taille du jeu, parce que le jeu devait tenir sur une sur un CD-ROM. Hein, donc, c'était combien? 600 mégabits seulement? Ou 350? Je sais même plus. Donc, fallait que le jeu dure longtemps, mais avec très peu de données informatiques. Donc c'est pour ça que c'était des jeux à rallonge. Bon, on va retourner voir. Alors, si on n'a pas un vendeur de tabac là sur la carte, j'ai peut-être pas bien vu parce qu'il y a tellement de choses sur la carte. On a le ministère, le parc, le club, l'aiguille de Cléopâtre. L'étude de Farsington, l'hôpital, le Werripunt, le labo de Dewar. Il y a encore de la place là pour mettre des trucs, hein. Moi je sens que tout il va être rempli là. On serait donc, je sais même pas, à la moitié ou un peu plus de la moitié du jeu ou deux tiers du jeu, j'en sais rien si on remplit tout l'espace là parce que bon. Bon. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut retourner ici. Bon, on nous dit qu'on n'est pas le bienvenu, mais on peut quand même fouiner. Alors, est-ce qu'il y aurait un truc qu'on n'aurait pas vu? Aïe! Ah là, ça y est, j'ai plus l'habitude du gros casque, vous avez vu? Je vais vous casser les oreilles. J'espère que les technologies modernes ont atténué ce son. Ah! Cigarette. Oui. C'est là qu'on pouvait examiner des cigarettes.
Les mégots mesurent moins de 2 cm. C'est quelqu'un qui est pas spécialement riche. Les tabacs sont tous égyptiens, une variété connue sous le nom de Tebaniello. Sans particulièrement fort, le mélange et le papier qui l'entoure sont produits à la demande par un marchand de tabac. Donc oui, bah c'est lui qui fume des cigarettes ici. Bon, parce qu'on est d'accord que dans l'agenda, régler PB, ça veut dire régler problème, non? On va essayer un autre truc, tiens donc. Si on montrait la formule à Dewar, on va se faire engueuler si on ouvre la formule, non? Est-ce qu'on a déjà essayé? Parce que la formule, j'ai réussi à la voler sur le bureau. Non, on peut même pas montrer le document à Dewar, c'est triste. Peut-être lui parler avant? Non, il n'y a pas de nouveau dialogue. Dis donc. Parce qu'après, on avait un expert en explosif, là. Mais malheureusement, il est décédé. Ah non, et sa femme, elle peut pas regarder le document, voir si elle reconnaît des trucs, non? Non, on peut rien lui demander de plus. Après, on peut aussi essayer de retourner... au ministère de... C'est quoi, la défense ou l'intérieur? Je sais jamais. Défense. Allez. Bah ça veut pas aujourd'hui. Hein. Voilà. Le problème c'est qu'il y a eu une sorte d'incendie là. There is in fact a great deal I would wish to tell you, Mr. Holmes, but I value my situation. I know you to be an ill-mannered extortionist, a bully with powerful connections, a likely pyromaniac and thief. Still, civility might have saved you from your hard tuition, Whitney, but with a dolt such as you, I doubt it. Ah bon, on se fait virer de là aussi. Il a capté que c'est moi qui avais mis le feu et que j'avais volé des trucs. Ok, on avance puisque on peut plus aller nulle part. Alors, bon, il y a toujours l'histoire de la boutique d'animaux. Hein. On a strictement rien fait dans cette pièce. Hein. Lui, c'est le même dialogue en boucle. On est peut-être passé à côté de quelque chose ici, hein, ou peut-être que c'est plus tard qu'il faut retourner ici. Hein. Bon, allons voir ailleurs si j'y suis.
On n'a toujours pas évolué ici. Je refais le tour des pièces où on n'a pas su résoudre. Là, vous voyez, il y a un rideau de perles. Et on voudrait passer à travers. Mais on n'est pas le bienvenu. Sachant qu'on a toujours notre cher perroquet qui dit going east. Going east. 5. C'est un code. Un mot de passe. Merde. Faut regarder dans des endroits improbables où on n'a pas l'habitude de regarder, vous voyez. Going east. C'est énigmatique, allez à l'est. À droite, il n'y a rien à droite. Ils ont fait exprès d'identifier le parquet pour qu'on puisse pas avancer vers le bas, vous voyez. Bon. Est-ce qu'on peut essayer de retourner là, peut-être? En étant Sherlock Holmes? C'est-à-dire non déguisé? Voir s'il y a eu du changement? On a toujours Dr. Watson qui est de tension derrière quand on vient ici. How may I help you, gentlemen? How may I help you, gentlemen? Ben... En fait, je sais pas. Je sais même pas ce qu'on peut lui demander. Donc forcément, il n'y a rien à lui demander. C'était juste pour faire un coucou. Non, je veux pas lui parler, je veux sortir. Voilà. Oh, dis donc.
Moi, je croyais que ça allait débloquer la situation de parler à Farsington. Il m'a envoyé balader. Peut-être aller revoir aussi le monsieur dans la... au parc là avec les oiseaux. Bon, il n'y a rien de nouveau. Le prêteur sur gage, on peut toujours pas rentrer dedans. On va essayer de parler aux enfants, mais... Est-ce que ça sert à quelque chose? Oula, il y a du nouveau. Vous vivez dans le quartier, les garçons. Vous êtes dans mon salon, là. Ou alors dans ma chambre. Ah. Tout ça pour dire ça. Bon bah écoutez hein. Y a pas grand chose de plus ici. Docteur Watson, il veut pas rester tout seul dans son coin. Hein. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas l'option, mais genre montrer la photo du garçon aux autres enfants, ça peut-être parler, non? Ils veulent pas de la confiture non plus, non? Du pain non plus, de la pomme non plus. Bon, bah, on retourne là à l'entrée, là déjà. On va essayer de discuter avec les personnes qui sont à l'entrée, mais qui ont l'air un petit peu... Rien de nouveau. Rien de nouveau. Alors, on avait dit qu'on retournerait au parc. Il est où le parc? Là. On peut changer la musique, on va changer la musique, hein. Je sais plus comment ça marche de changer musique. Hello, buddy. Not sure. I'm sure. Hey. Ah, c'est là. Could you play a little thing? With pleasure, Mister. Voilà, on a une petite valse là maintenant. Est-ce que ça sert à quelque chose? Faut se méfier dans ces jeux-là. Des fois, tu changes de musique, ça change tout. Hein. Non, pas de nouveau dialogue. Bon, on est un peu paumé là, hein, pour pas changer d'ailleurs. Hein. Bon, il y a des endroits que j'ai envie d'aller. Ah, d'ailleurs, il remet la musique d'origine. Il m'a pas laissé ma valse. Là. On peut toujours pas y aller. Like the proverbial. Décidément, vous êtes un pot de colle. Bon, non, Sir Avery Fanchef, de toute façon, c'est celui qui est au parc. On peut lui parler quand on veut, il n'y a rien de plus ça. Là, on n'aura rien de plus. Est-ce que ça vaut le coup de retourner chez Thomas Pratt?
Non, il n'y a rien de plus non plus ici. On peut toujours pas monter à l'étage. Parce que l'escalier, il est abîmé. Bon. Alors, il y a toujours ce truc bizarre, c'est que quand on joue du piano, il y a une note qui est fausse. Comme si on avait un objet dans le piano, mais on n'arrive pas à l'extraire. Ça fait partie de ces énigmes. Vous voyez ? Peut-être en regardant le piano, non ? Non, rien de plus. Bon. Académie de billard. Club Diogène. On peut retourner dans les bains, peut-être. Je sais pas, il y a du nouveau ici. Pas sûr, hein. Alors l'entrée, elle est où? Eh ben... Eh ben, eh ben... C'est le cas de le dire. On est dans les bains, et bains, et bains. Remarquez, maintenant, il n'y a plus de garde, il n'y a plus personne ici. Peut-être on peut parler, hein. Non, il n'y a rien de nouveau. Un endroit aussi où j'aurais bien aimé retourner, c'est à l'hôpital. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles de son frère, quand même. Attendez, un portrait, là. Rien d'intéressant. Donc, hôpital. Rien de nouveau. Bon, bah écoutez, il n'y a rien de nouveau. On voit que c'est les pièces du début, elles sont beaucoup plus simples, hein. Bon, son frère, on sait pas où il est, et visiblement ça va rester comme ça un bon moment. On peut demander à l'infirmière chef, mais elle, à chaque fois, elle est désagréable. Non, il n'y a rien de nouveau. Bon, bon, bon. Alors oui, il y avait la police aussi. Qu'il fallait voir. Peut-être qu'ils ont du nouveau. Hein. Là. Scotland Yard. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? J'en sais rien. Which is more bother, Lestrade being in or being out? It's a fair question. Seems on.
It's a good question. Bon. Est-ce qu'il y a des choses à montrer ici? Non, il veut pas. Ah, c'est vrai! C'est vrai qu'il y avait aussi cette histoire de tâche sur le document. Et c'est vrai qu'il fallait voir avec le photographe là, mais... Haha. Oui, on reprend une carte, comme ça on en aura une de plus. On va avoir la collection complète, c'est comme les cartes Pokémon. Chaque fois que tu vas voir le photographe, tu prends une carte et t'attends. Remarquez peut-être que pendant ce temps-là, on peut faire des trucs. Bon. Toi, t'es pas tout net. Alors, si je vais dans l'inventaire... On peut pas lui montrer le document, hein. Parce que j'aimerais bien... Peut-être on peut avoir le négatif d'une copie du document, puisqu'il a été photographié. D'ailleurs, c'est marqué photographié ou photocopié ? Photographié. À l'époque, on photographiait, on photocopiait pas. Ah là là, il faudra un subterfuge pour que je puisse aller là derrière. Mais je ne vois pas ce qu'on peut faire. Lui donner des sous pour avoir une photo. Sinon, on peut lui donner des faux billets. Hein. Pourquoi pas. Non plus. Moi, je veux bien me faire prendre en photo. Je sais pas, ça peut être utile. Il y a deux pièces comme ça où on n'arrive pas à aller derrière. C'est celle-ci derrière le rideau, on n'y accède pas. Mais à mon avis, on va pouvoir y accéder. Et il y a dans le bar, le Werrypunt, il y a une arrière-boutique avec des gens qui fument de l'opium. On n'arrive pas à y aller non plus. Est-ce que c'est parce que c'est pas le moment d'y aller, ou est-ce que... Il y a un truc spécial à faire, j'en sais rien du tout. Hein. Là, j'avoue qu'il n'y a rien de plus, rien de neuf. Hein. Alors, c'est vrai qu'en plus, j'ai tiré vers le bas... J'ai tiré vers le bas le store pour qu'on ne voit pas de l'extérieur, donc il y a peut-être un truc à faire. Hein. On va jouer les pyromanes. Le soudoyer avec des bonbons, c'est une plaisanterie bien sûr, hein, pour ceux qui penseraient vraiment que... Une invitation. Attendez, j'ai une idée là, mais ça va être tendu, hein. Alors lui, il s'appelle... Hargrove. Mon dieu, que le temps passe vite quand on est en live. Alors, on va rechercher Hargrove.
Holmes a dit à Edward Hargrove, « Monsieur Hargrove, je m'appelle Holmes, j'aimerais vous poser quelques questions, je ne fais pas de remise, vous pouvez chercher une date dans mon registre pour une séance de pause. » Non merci, je veux simplement des informations. La qualité fait tout, donc je voulais voir comment il développait ses photos. La mémoire des détails est terrible. Voilà. La plupart des studios le font. Alors, la plupart des studios font le développement au collodion, n'est-ce pas? Qu'ils le fassent. J'ai d'autres choix. Ma technique au collodion unique donne d'excellents résultats. Ils ne peuvent être imités par aucun imbécile qui se prétendrait photographe. Toutes les formes de développement au collodion sont les mêmes à la base. Du phénol, puis du sulfite de sodium et une solution d'hyposulfite de soude pour fixer. Excusez-moi mon ricanement, votre ignorance est répandue. Je ne révèle pas mes méthodes, mais je peux vous dire que le cyanure, dans des mains habiles, est bien meilleur fixateur que l'hyposulfite. Et donc... Non, mais attendez, là. C'est bien du cyanure de potassium que nous avons et pas de l'hyposulfite. Donc c'est bien lui qui a pris en photo. Alors on fait comment là pour l'agresser et puis pour qu'il nous laisse passer et qu'il nous parle et qui. On sait qu'il est responsable de quelque chose celui-là. On a un document taché avec un produit qu'il utilise. Ah! Et quand je veux, je peux pas lui donner le document parce que lui. En fait, ils sont tous complices hein, dans ce jeu. Hein. Là, si je tire, il va nous faire un truc du style « Je vais vous envoyer la police. » Mais en même temps, c'est nous qui allons t'envoyer la police, monsieur. T'as pris en photo des documents. À moins que dans le registre, attendez. Il est où le registre? On pourrait voir qui a pris en photo l'article. Enfin, le document secret, là. Le photographe travaille pour ceux qui ne lésinent pas sur la dépense. Jeune jambe noblesse récente et demi-monde. Les derniers rendez-vous ont été annulés et on n'a pas utilisé récemment d'encre rouge. Alors ça me fait rire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a pas utilisé d'encre rouge? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de bloquer la sonnette de la porte? Non, il y a juste un store en tissu qu'on a fermé. On sait qu'il a pris en photo la formule, mais on sait pas comment on peut débloquer la situation, là. Ah, ça y est, c'est la recherche en cours, encore. Hein. On a fait un petit truc, là, avec... Letso. Il va falloir qu'on rassemble les pièces du puzzle, là. Which is more bother, Lestrade being in or being out? It's a fair question. Seems I'm the only one round here working all hours. Go in if... Alors moi j'aimerais bien peut-être lui donner à Lestrade non le document. Non, il veut vraiment pas travailler avec la police, hein.
Bon, on va retourner à la maison. Des fois, on reçoit des télégrammes, mais je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui doit nous envoyer un télégramme. Après, on peut retourner chez Pratt aussi, hein. Des fois, tu rentres dans la maison, ça frappe à la porte et hop. T'as un télégramme et hop, ça débloque une situation, mais ça arrive rarement. Alors. Que faire? Déjà, on n'a pas de télégramme, ça c'est sûr. Come along, Watson. Quite so, Holmes. Il se trame quelque chose, mais on aimerait bien savoir quoi. Vous allez voir qu'à la fin du live, je vais me rendre compte que sur la carte, il y a un vendeur de tabac, et là, ça va être tout le bout. Des fois, on voit pas, hein. Il y a tellement de trucs. Enfin, je pense que je l'aurais vu quand même s'il y avait un nouveau lieu à visiter. Ah oui, je voulais retourner chez Thomas Pratt, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Oui, là, c'est vrai. On nous parle de Archway. Est-ce que c'est un nom pour l'escalier? Et son maître, il est encore déboussolé. Là, il veut pas nous recevoir. Toujours pas. Bon. Je me suis dit peut-être depuis le temps ils ont commencé à réparer le club, rien du tout. Est-ce que si je mange un bonbon, ça va faire avancer l'histoire? Vous pensez? Je suis pas sûr. Ça va redonner du sucre au cerveau et là, paf! On va trouver la solution. Bon, de toute façon, il y a soit la boutique d'animaux qu'il faut scruter de fond en comble, soit le bar, le Wearypunt. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille ici et puis qu'on cherche. Il y a un truc qu'on n'a pas trouvé. Alors, on va faire la technique qui est vraiment de la technique déboussolante, mais on va faire ligne par ligne sur l'écran jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qu'on n'a pas vu. Donc là, il y a la chouette.
famille de pigeons. Rien de plus hein, là-haut. Donc on va regarder la chouette quand même. Regarder la famille de pigeons et on continue. Donc on descend. Là on a un ara. Vous constaterez quand même qu'il y a un ara, donc un oiseau, mais la cage n'est pas identifiée. Donc faut pas ouvrir la cage ou faire ce genre de choses. Là on a un coucou qu'on a déjà regardé, examiné 100 millions de fois, mais du coup on va le refaire. Parce que une fois n'est pas coutume, on refait tout là. Là, on a les fameuses grandes cages qu'on a déjà regardées. On a encore une perruche ici. L'oiseau fait un grand tapage avec ses quelques phrases. Donc c'est lui qu'on entend. On a encore les grandes cages, le poêle. On a un cobra. Serpentium, il s'appelle. Blaireau. Ok. Il y a des biscuits qu'on essaierait bien de piquer pour après les donner à un animal, mais je suis pas sûr que... Là, on a aussi des instruments de taxidermie, ça peut être utile. Cage vide. Est-ce qu'on a déjà examiné les cages vides? Je pense que oui. Hein. Je sais pas pourquoi il parle tout le temps du blaireau qui est là-bas. Ça voudrait dire que le blaireau, il ne dort pas dans ces cages-là. Si on retourne dans l'inventaire, dans le journal plutôt, le vieux Sherman, il nous a peut-être donné des indices et puis qu'on est passé à côté. Hein. Allez, on va relire les dialogues de Sherman. Bien le bonjour Sherman, j'espère que vous allez bien. La réponse fut au diable Sherlock, vous m'avez tiré d'une bonne sieste. Qu'est-ce que vous voulez? Holmes a dit un peu de courtoisie, il nous serait agréable. Sherman a répondu, je n'ai pas cet article en ce moment. Alors c'est pourquoi nous voudrions emprunter Toby, on n'a toujours pas trouvé le Toby. Sherman a dit hors de question, Holmes a demandé à Sherman, Sherman vous n'avez jamais pensé à errer? Ah bon c'est tout? D'accord. Ah, les dialogues étaient très courts ici, hein. Donc tout ce que je sais, c'est que là en bas, là, il y a une laisse.
avec un collier, mais il n'y a pas le chien au bout. Et après, ça nous parle de blaireau. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec le blaireau. Donc en fait, le but quand même, qu'on explique à ceux qui n'étaient pas là. Il y a un enfant qui a disparu, on a pris sa couverture pour essayer de le retrouver avec l'odeur de l'enfant qui est sur la couverture. Donc il faudra un chien, un policier ou quelque chose comme ça. Sauf que effectivement, bon, le chien il a disparu, le fameux Toby, et là on nous parle de blaireau, mais on peut rien faire avec la couverture. Hein. Donc là c'est compliqué, hein. Je pense pas avoir passé à côté de quelque chose dans cette pièce parce que il n'y a plus rien d'autre d'identifié. Si, il y a les biscuits sur la table, les instruments de taxidermie. Il y a un cobra, ok. Bon, après, dans mon inventaire, j'ai des aiguilles. Non, ça ne nous sert à rien. J'ai une autre idée aussi. Il y a toujours le coussin là chez Pratt. Et on ne sait pas si le coussin, il y a quelque chose dedans. Hein. Les plumes pourraient cacher un objet léger. Donc tu vas dans l'inventaire. Tu prends l'épingle à chapeau et tu peux sonder le coussin. Mais on n'a pas de réponse. Voilà, on ne sait pas s'il y a quelque chose ou pas. Il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il n'y a rien. Hein. Oula, il y a des toiles. Je sais pas si je les ai regardées et examinées. Plusieurs toiles de différentes tailles sont empilées. Le style de l'artiste ne ressemble à rien de connu. La figure est abstraite et incompréhensible, pour ne pas dire puérile. Bon, ça n'avance pas beaucoup là. On va quand même aller voir ici. Donc moi, ce qui m'intrigue... Voilà, on va voir si c'est le même tabac que... Ah, attendez, j'ai une idée tordue, là. Non, c'est de l'opium, ça. Ah oui, c'est vrai. Si ça se trouve, Bledsoe et Pratt, ils étaient ensemble. Pratt's pecuniary embarrassment went far. Why do you say so?
A heap of overdue bills, requests for credit, all denied, and a record of ill-conceived investments. He sounds a reckless fool. There, but for the grace of God... Very true, Watson. It would help to know what caused his desperation. Alors là, on a un dialogue qui est ressorti de nulle part. Pourtant, c'est pas la première fois que je reviens ici, que je refais les dialogues. Hein. Donc comme quoi, il faut se retaper toutes les pièces à chaque fois. Il est clair que il est endetté parce que il prenait de la drogue, je pense. Maintenant, le truc, ça serait de retourner... Peut-être au bar, demander s'il a des dettes. Where he punt, où il vend de l'opium. Lui, il veut rien lâcher. Merde! Non, on peut pas lui donner des faux billets et de lui vrai argent. Ah, on peut donner de l'argent. Et c'est tout? Attends, je lui donne de l'argent et il se passe rien? Oh mon Dieu! Tant donner de l'argent à un perroquet, ça aurait été tordu, mais sachez que dans ce genre de jeu, des fois, il y a des choses tordues. Hein. Je lui donne de l'argent et il se passe rien du tout. Ah, peut-être qu'après avoir donné de l'argent, il faut montrer la boîte d'allumettes. So you found a match. Oh, on peut toujours pas passer. Alors, est-ce que je donne plus d'argent? Enfin, ça sert à rien. Ce jeu-là, on n'a pas de budget. On a budget illimité. C'est bizarre quand même, parce que je donne de l'argent. Non, pas au bar. Quoique. Je donne de l'argent et il se passe rien. Non. Bon, on a trouvé qu'on pouvait donner de l'argent. Les fameuses ruelles de Limehouse commencent derrière cette porte. On va retourner chez Thomas Pratt parce que du coup, c'est où qu'il y a des factures impayées et des demandes de crédit? Papier. Prendre. Il veut pas qu'on les prenne.
Alors peut-être que on peut retourner voir la femme de ménage qui était amie avec Pratt et lui parler de ses problèmes d'argent. Oh, dis donc, c'est... Hein ? Ça s'intensifie, la difficulté, là. Allez, on va tenter quand même. Alors, pour aller voir la femme de ménage, faut qu'on se déguise. Donc, on retourne ici. Ok. Nous sommes au quartier général de Monsieur Holmes. L'armoire à chaque fois elle se referme maintenant. Young Ratchet, ça. Choup touloup toup toup. Don't dally, you ain't moving. Ah là, c'est pareil. On n'a pas de nouveau dialogue. Alors là, à qui on peut parler des problèmes d'argent de Pratt ? Vers le primeuriste, oui, c'est bien ça. On va pas lui parler à lui, qu'est-ce qu'il va nous dire ? T'as pas du café, la dernière fois c'est... La dernière fois c'est ce qu'on a... oui, bah alors on veut sortir, nous. C'est ce qu'on lui a demandé la dernière fois. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. On repart à l'aventure. On peut pas donner de l'argent à Pratt directement. Mais le pauvre Pratt, il est décédé. Carry on, Holmes. I'll follow your lead. Pratt, il est sur la table dans la morgue et il a une rose tatouée sur ses fesses. À ses créanciers, bah, il faut savoir qui sont ses créanciers. J'avoue qu'on n'a pas trop là, on n'a pas trop d'infos là, hein, mais c'est une suggestion intéressante. Faut savoir qu'à qui il doit de l'argent. Faudrait surtout refaire le tour de toutes les personnes qui connaissent Pratt pour demander, vous étiez au courant qu'il y avait des problèmes d'argent ? Autant vous dire que ça fait du monde à aller visiter, hein. Won't be a moment, gentlemen. The sample portraits are my calling cards. Feast your eyes and help yourselves. Allez, encore une carte Pokémon. Parce que peut-être qu'il a des dettes chez le photographe. Rien du tout, hein.
you, Captain. On peut toujours pas rentrer chez elle. Sir Avery Fanshave, est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire sur Pratt? Non. Il n'y a pas de banque en plus sur la carte pour aller directement à la banque, ça irait plus vite. Ministère de la Défense, on n'a plus le droit d'y aller non plus. Pour la mercerie, ça m'étonnerait qu'il y ait grand chose. Enfin, comme ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, hein. Non. Oui, important derrière le docteur Watson. Alors, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc là caché là derrière, mais non, il n'y a pas l'air. Hein. Il y a effectivement les rouleaux de tissu et le docteur Watson, mais entre les deux, il n'y a rien. Il y a des mannequins, on les a déjà regardés, les mannequins. Je me t'ai caché. On peut se cacher là derrière aussi, hein. Et après, on voit que là en haut à droite, il y a un encadrement de porte là. Hein. Mais bon, c'est tout ce qu'il y a ici. Hein. Faut réfléchir. Fermons les yeux, réfléchissons. Bon, avec cette musique là, c'est juste impossible de réfléchir. Boutique d'animaux, ça on a déjà fouillé. Est-ce qu'on a fouillé de fond en comble le Weary Punt? On a retrouvé qu'on pouvait donner de l'argent au serveur. Alors peut-être maintenant on peut parler, non. Alors attendez, cet ara est étonnamment dégourdi, ils ont d'habitude moins de vocabulaire que les autres. His vocabulary is a mimic, not a moralist. Given this unwholesome venue, I'm not surprised he's capable of vulgarity. His training, though limited, may be instructive. Ah ouais, hein. Il y a une histoire avec l'oiseau, parce que... On nous dit clairement que ce qu'il dit, ça peut être... instructif. Mais... oui. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est le goingist. Cheek. Take a hike. Go in the east. Damnation, blast, and bloody hell. Merde. Go in the east. Take a hike. À chaque fois, il y a going east. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce going east? Merde. Blast your eye. Du bist ein Essel. Shovel! Tear a new ear hole! You what? Bugger off! Such a hole, mate! Did it hurt? Damn your cheek! Take a hike! Go in the east! Damnation blast and... Merde! Go in the east! On fait le tour des insultes, on sait jamais, hein. Il y a peut-être un texte qu'on n'a pas... Going east.
Ce bar n'est guère qu'un comptoir en bois usé avec des paquets d'allumettes à disposition. Quelques tasses pleines de gin attendent le prochain malheureux. On voit même pas les tasses pleines de gin. Non. Going East. Ah, puis on a la musique qui se déclenche quand je dis Going East, c'est merveilleux. Et le perroquet, il est attaché ou pas? Il y a peut-être moyen de le détacher, non? C'est une expression, ça, Going East? Ah d'accord, bah non. Attendez. Attendez là, parce que... Nous c'est bien going east et pas going it. Ok. Parce que going it, ça veut dire tu vas manger en français. C'est une injure. Mais là c'est going east. J'espère qu'il n'y a pas une faute de frappe. Hein. Donc going east, ça voudrait bien dire aller à l'est. Bon. Mais peut-être faut-il partir du principe qu'il y a une faute de frappe et que c'est tu vas manger. C'est une injure. Going it. Comme aller à l'est. Bah oui, mais à l'est, c'est bien la droite. Il n'y a rien à droite. Parce que dès que je sors, je suis sur la carte, ça n'a plus rien à voir. Hein. Si je vais à l'est et que j'attends, il dit quoi le perroquet? Il n'y change pas le perroquet. Hein. Oh. Si tu vas à droite et que tu essayes d'ouvrir le rideau de perles, directement il t'est repéré. Il hein. N'y a pas un endroit où on peut esquiver là. Le barman. On a peut-être loupé quelque chose, hein. While we have our health and our purses, I recommend a retreat. Live to fight another day, eh? Exactly, and preferably... Always sage advice. At least we don't go away empty. Despite the barman's denial, Pratt was a regular here. A devotee of De Quincey. No doubt about it. Bon, en plus, il nous dit que ça sert à rien de rester là, hein, Watson. Ah! Donc ça serait plutôt pour débloquer la situation, la boutique d'animaux, quoi. J'ai des idées, là, mais... Ben oui, à un moment, c'est ce qu'on pensait. On a déjà regardé sur la carte de la ville. Mais le Berry Punt, il est là. Et il n'y a rien à l'est. Il n'y a que ça. Mais bon, ça, on a déjà visité. C'est celui qui était présent le soir du meurtre de Monsieur Pratt.
C'est déjà très à l'est en fait, hein. Ah, puis ça bouge tout seul. Lui, il a rien à nous raconter, hein. C'est juste qu'il nous a, bien aidé même au début, mais. Sur le plan, il n'y a pas grand chose à l'est. Hein. Par contre, je sais que la boutique d'animaux, on n'a strictement rien fait là-dedans, et même les dialogues sont trop courts, il doit se passer quelque chose ici. Faut qu'on trouve. Mais c'est. Ou alors il faut capturer un animal et puis lui donner. Genre. Au parc, je sais pas, prendre un pigeon ou. Après, moi, j'avais pensé aussi de lui montrer la photo du petit pour l'amadouer, mais... Ah oui, flûte. Ah non, mais ça fait une paire de lives qu'on est un petit peu... Vous voyez, là... Moi, je peux la regarder, la photo. Mais il veut... on peut pas la montrer. Lettre de chantage, est-ce que ça intéresserait quelqu'un quand même? Parce qu'on pourrait comparer l'écriture par exemple. Lettre de chantage, je réfléchis à qui on pourrait montrer ça. La femme de ménage, elle a pas des infos sur une lettre de chantage. Bah, à chaque fois qu'on veut retourner voir la femme de ménage, faut se redéguiser, c'est long. Mais j'avoue qu'elle, elle serait peut-être plus sensée ou sensible. De toute façon, c'est la seule femme... Ah non, c'est pas la seule femme. Enfin, les autres, elles veulent plus nous voir. C'est la seule femme, si, qui reste disponible, du coup. Parce qu'elles ont une âme plus sensible, les femmes, non? Oh là là, les préjugés. Oui, bon, je me mets à réfléchir comme en 96. Hein, excusez-moi, mais... Young Ratchet, sir. Et là, on va avoir le droit pour la millième fois. N'embêtez pas mon père. Alors, Madame Ratchet, si je vous montre ça... Non, on peut pas lui montrer. Ensuite, alors. Non! Encore un truc qu'on a testé et qui ne fonctionne pas. Oh là là, il reste un quart d'heure avant la fin du live. J'aimerais bien trouver un truc quand même. Comme ça, la semaine prochaine, on fait le truc qu'on a trouvé. Un peu comme là. Hein. Au final, on a commencé le live sur une interview qui s'est mal passée, je vous l'accorde. On aurait bien aimé... parler un peu plus longtemps à notre Bledsoe, mais... Tout ce qu'on sait, c'est que Bledsoe, il est pas facilement trouvable et il se méfie de ses ennemis. Alors, ça veut dire qu'il a des ennemis, déjà. Il nous a quand même pas mal parlé du journaliste. Hein. Retournons voir le journaliste, quand même. On n'a pas assez insisté au niveau du... On n'a pas assez insisté au niveau du journaliste. Allez, on y va. Attendez, j'ai une autre idée.
avant d'aller là-bas. L'expérience s'est terminée avec succès. Non, je me suis dit peut-être on peut chauffer la cire pour ouvrir le document. En sachant qu'il y a une copie qui a été faite, quoi. Parce qu'au final, on pensait quand même que la formule, elle avait disparu et qu'elle avait brûlé dans la cheminée de Pratt. Alors qu'au final, la formule, on l'a. Mais c'est juste qu'elle a été ouverte, prise en photo et refermée. Mais alors, qu'est-ce qui a brûlé dans la cheminée de Pratt? Puisqu'on a des résidus, là. C'est une bonne question, hein. Il y a trop de questions, pas assez de réponses. Donc, on avait dit qu'on irait voir notre journaliste, là. Il est là. Tiens donc. Sachant que là, on a une musique bien forte, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un truc à faire? Non, la lettre de chantage, je sais pas quoi elle nous sert. Hein. Et ça, c'était une invitation, pourquoi? Parce qu'après on a une porte aussi énigmatique là, hein, parce que c'est la porte qui mène vers le bureau du journaliste. Or le journaliste est à son bureau et la porte d'entrée elle est à côté. Je comprends rien, là, par contre je comprends pas. Bon, on est d'accord que cette porte là, quand on la regarde, cette pièce, donc ça c'est le bureau de Friedman derrière. Ok. Et Friedman il est là et il est à son bureau. Merveilleux. Et ça, c'est la porte pour sortir. Donc, à moins qu'il ait un deuxième bureau, le Friedman, sinon, c'est étrange. D'ailleurs, on peut pas trop voir quel type de tabac il y a dans le cendrier. On va reparler à Watson, des fois il y a des dialogues comme ça qui se réactivent, ou j'en sais rien. Non. On va retourner au parc. Au cas où il y aurait, je sais pas, un oiseau blessé, on le récupère, on va à l'animalerie et on gagne les faveurs du vendeur de l'animalerie. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. On va quand même pas esquinter un oiseau sous prétexte qu'on a besoin d'un animal pour aller à l'animalerie quand même. Hein. Bon, bon, bon. Là, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose non plus, hein. Bande parc à étudier. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Là, on tourne en rond, comme à chaque fois, on a besoin de réfléchir pendant une semaine. Et puis, la semaine prochaine, eh ben, on n'avancera pas de fourmis.
Mais ce qui est sûr, c'est que là on avance plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à sa maison. On va aller à la maison à Sherlock. Comme ça, on se souviendra la semaine prochaine qu'on n'a pas beaucoup avancé et qu'il n'y a rien de spécial à faire. Parce que si je m'arrête dans une pièce spécifique, à chaque fois je pense qu'il faut étudier de fond en comble cette pièce. Là, effectivement, on est bloqué. Voilà. Et on n'a pas de télégramme. C'est dommage. Alors, remarquez, j'ai une idée là. On va quand même regarder. Dans l'annuaire, il n'y a pas l'adresse de celui qui fait du tabac, là. Ça m'inquiète, cette histoire de tabac. Bon. Écoutez, on va se mettre au milieu de la pièce, on va sauvegarder. Option sauvegarder en deux exemplaires, parce que là je referai pas tout depuis le début si la sauvegarde elle plante. Hein. Remarquez, je suis sûr que ça se fait rapidement, parce qu'au final on n'a pas fait grand chose. Et on va tout simplement fermer le jeu, qui n'a pas énormément avancé. Je pensais vraiment que de parler à Bledsoe, vu comment c'est compliqué de lui parler à celui-là, eh ben... ça allait débloquer une situation extraordinaire, et puis finalement on a eu beaucoup de mal pour avoir un rendez-vous avec, pour qu'il nous envoie balader. Alors là, là, c'est le jeu en même temps. Bah oui. Mais je pensais qu'on allait avoir plein d'actions dans ce live, et finalement, bah non. Eh bien écoutez, je vous invite à réfléchir pendant une semaine à tout ce qu'on peut faire au niveau donc de ce jeu, parce que là, personnellement, je sèche. Hein. Peut-être le mettre en pause et revenir plus tard, mais si j'arrête le jeu et que je fais d'autres choses entre temps, j'aurai plus le courage d'y retourner. Alors que si ça se trouve, on est bientôt à la fin du jeu, on sait pas. Sauf si on va voir la soluce. Sinon, on peut pas savoir à combien du jeu on est, parce qu'on a quand même pas mal avancé. Hein. Quand on voit le nombre d'objets qu'on a dans l'inventaire, etc., c'est qu'on a plutôt pas mal avancé. Bon, moi, j'arrête là ce live. Ça sert à rien de perdre comme ça du temps à tourner en rond dans le jeu. La semaine prochaine, peut-être qu'on aura le déclic. Petites informations, ce matin, il y a une vidéo qui est sortie. C'est la Biosuite Box du mois d'août. Voilà. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qu'elle contient, je vous invite à aller voir la vidéo. Et pour dimanche, la vidéo est déjà montée, envoyée. Il ne reste plus qu'à la programmer. Je teste le perfecteur de teint mat de chez Maybelline New York. J'en dis pas plus. Parce que le perfecteur de teint de chez Maybelline New York n'a pas fonctionné comme prévu. Vous le verrez en regardant le titre de cette vidéo. Après, il y aura les produits terminés pour mercredi prochain et peut-être le haul du club Leader Price, mais il faut que je les contacte parce que bah, malheureusement, il manque encore un colis. Voilà, il y a un colis qui a été retourné parce qu'il était abîmé, donc c'est Chronopost qui a renvoyé le colis, mais j'ai pas de nouvelles. Donc il va peut-être falloir que je les contacte. Bref, moi en tout cas, je vous souhaite un bon week-end si vous êtes en week-end, de bonnes fins de vacances si vous êtes en vacances, une bonne soirée si vous êtes ni en week-end ni en vacances, passez quand même une bonne soirée. Le prochain live, c'est vendredi prochain de 17 à 20h. Donc, si vous voulez voir la suite de Sherlock et papoter un petit peu, parce qu'on ne fait pas que... Hein. Puis on regardera encore les maisons, on ne sait jamais. Si quelqu'un me porte la chance et puis que je trouve une maison, ça peut être pas mal. En début de live, donc, et après on ira sur Sherlock. Mais voilà, il n'y aura pas de live avant, parce que ben, j'ai 3 vidéos YouTube à filmer par semaine et que ça demande du temps également. Que dire de plus, si ce n'est que je vous remercie pour votre fidélité, parce que je vois que vous avez déjà regardé ma dernière vidéo, donc ça fait plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, en live, 17-20h, vendredi, bref, pour la suite, eh bien, de Sherlock Holmes.